La radio de la communauté, nous sommes aujourd'hui le mercredi, invité de ce journal, vous allez le découvrir dans quelques instants, ce sera M. Serge Bizet, comme annoncé sur notre mur Facebook. Il est exactement 12h18 à Chicago, en direct du studio central. Le temps que notre invité entre dans ce studio, nous allons donc vous reproposer de la musique avec notre ami Jacques Lobello, bien sûr. Ça ne saurait tarder, chers amis. Alors, donc Jacques Lobello qui va revenir dans ce studio. Voilà, nous allons donc dans les instants commencer cette émission, chers amis. Cette émission, comme d'habitude, elle est la vôtre. Poser des questions à mon invité, des questions qui font sens, des questions qui font avancer les choses. Nous poursuivons, comme vous le savez, l'invective ici à Radio Congo Live en Chicago. Voilà, je rappelle donc que nous poursuivons l'invective, que tout doit se faire dans le cadre de la civilité. Et les thèmes retenus pour cette émission ne nous amenaient pas des questions qui vont hors du cadre même que nous avons institué. Jacques Lobello, à la mi-journée, donc. C'est une team à loi à une première chanson. Alors, ce choix nous vient de notre invité, M. Serge Bizet, Serge Bizet du Bouquet, donc, que vous aurez dans quelques instants. Voilà, vous avez donc Serge Bizet, que certains de nos auditeurs ne découvrent qu'aujourd'hui. Je vous rappelle que Serge Bizet est un habitué de la radio de la communauté. Ce sera peut-être la quatrième ou la cinquième émission avec Serge Bizet sur cette antenne. Alors, salut Serge Bizet depuis le UK. Salut Jean-Louis. On ne vous entend pas, Serge Bizet. Est-ce que vous m'entendez là? C'est très faible. Très faible. Allô? Allô, oui, je suis là. Voilà, voilà, voilà. Donc, nous allons écouter quelques notes de Ntimaluaka de Jacques Lobello, c'est cela, hein? Comme tu veux. Voilà. La radio de la communauté, connectez-vous à ce journal qui aura tout un qui sera assez lourd, car l'actualité venait de s'accélérer avec une information qui concerne les indignés 242. Ça s'est passé hier avec la tentative d'enlèvement de Monsieur Roland Nitou, qui est, je vous rappelle, le président des indignés 242. Voilà, merci donc à toi Jacques Lobello. Voilà, ils sont déjà là nombreux, hein, connectés, Serge Bizet. Voilà, je vous rappelle que Serge Bizet est un cadre congolais du UK dans le domaine des médias. Voilà, donc j'espère que vous allez, avec beaucoup de rigueur, m'observer et me donner une bonne note à la fin de cette interview. Bien sûr, du point de vue technique. Voilà. Il est exactement 12h21 à Chicago. Serge Bizet est donc notre invité. Quelques mots aux auditeurs qui ne vous découvrent aujourd'hui, mais surtout de votre silence, ce qui nous a quand même étonnés. Hein. C'est bon, on est en direct là, c'est y? Absolument, c'est bon. Oui. Parfait, c'est génial. D'ailleurs, je voulais d'abord, pour commencer, dire bonjour à mes amis à la diaspora en Afrique du Sud, au Japon, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Il y a toi, il y a Joe Curtis, qui est très actif en ce moment.
le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, et aussi, comment on appelle, la Tunisie. Je salue tout ce monde-là. Ah, j'ai oublié. Juste à côté chez nous, l'Angola. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont là. Et aussi, Madagascar. Zagassi. J'ai parlé malgache, je m'excuse. Voilà. Bon, Zagassi, alors. c'est quoi Zagassi? Zagassi, je suis, comment on appelle, je suis malgache, voilà. Zagassi. Absolument. C'est bien d'apprendre beaucoup de langues. Ah oui, voilà, nous apprenons aujourd'hui. Alors. Parce que quand on voyage, il faut apprendre aussi et aussi connaître la culture de tout le monde. Voilà. Donc, j'apprends beaucoup de langues comme ça. Ça m'arrive de parler deux fois des langues que je n'aurais pas imaginé parler. Bien. Alors, John Lewis, on est un peu en retard, je pense. Non, Non. Bon. me disent les auditeurs. C'est pas grave. Alors, la première question, je l'attends impatiemment. Alors, Serge Bizet, merci donc d'être venu à ce journal. Serge Bizet, qui est un ami donc du UK, résistant. Serge Bizet, qu'on a vu il y a quelques années sur. Je voudrais bien, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, revenir sur cette affaire symbolique. On vous a vu au cimetière donc de Marrakech. Devant ou aux alentours de la tombe de feu Mobutu Sese Seko, quelle leçon vouliez-vous justement faire passer dans l'opinion? Et ça vous a valu certainement des menaces de la part des mobutistes, Serge Bizet. Souvenir. Je vais revenir sur ça. D'ailleurs, je voulais saluer toutes mes sœurs à Paris, mes frères aussi en France, Stella Loutaïa et beaucoup d'autres. Et j'espère qu'ils soient les connectés aujourd'hui, ça me fera grand plaisir. Mobutu, ça montre l'exemple d'ailleurs de nos chefs d'État qui ne savent pas que demain, c'est leur tour de partir. Et tout ce qu'ils font en ce net moment, ça va être néanti à jamais. Pourquoi? Parce qu'ils accumulent à voler de l'argent, à mettre de l'argent pour leur population, leur clan. Alors, ils ne savent pas que demain, ils vont partir aussi. L'exemple de Mobutu est là. Pourquoi Mobutu ne repart pas? Qu'est-ce qui dit repartir à Kinshasa? Et pourquoi Mobutu ne repart pas au Congo, Kinshasa? C'est quand même dommage. On n'a pas enterré avec des milliards, on n'a pas enterré avec des millions. Même pas les lingots d'or, parce que c'était un homme riche. Guadeloupe, aujourd'hui, c'est les arbres, la nature qui a repris, comment on appelle, l'espace de là où il habitait. Donc, quand tu vas, par exemple, à Guadeloupe, dans le palais où il habitait, il n'y a que des arbres aujourd'hui. Les arbres ont repoussé à la place. Alors qu'il avait tout rasé face au fleuve Congo-Kinshasa, fleuve Congo, et aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est ça ce qu'on appelle les. Je ne comprends pas que les chefs d'État africains ne réagissent pas. Ne réagissent pas pour le peuple, ils ne voient même pas la souffrance des autres. Bon, enfin, je reviendrai sur ça après parce que Voilà. chaque fois que je parle du Congo, je suis tellement ému. Je suis tellement. Alors qu'on parle d'habitude, mais quand je suis en direct, j'ai toujours l'émotion pour commencer. Mais après, c'est bon, ça va aller. Mais Je vous comprends. il y a une seule chose qui est vraie, c'est que même si tu es dictateur aujourd'hui, tu ne vas pas vivre éternel. Alors, la bonne chose qu'il faudrait faire pour le peuple qui peut te faire confiance, même à la dernière minute, montrer quelque chose qui est positif dans la vie. Parce que la plupart de ces gens-là, ils arrivent au pouvoir, ils promettent bon et merveille que ça va changer, je suis le meilleur candidat et je vais faire quelque chose pour le peuple. Malheureusement, on a vu, hein, c'est partout en Afrique, c'est pas seulement au Congo. Voilà. Voilà, nous allons donc ouvrir ce journal par l'actualité qui venait de s'accélérer, la violence et toujours la violence dans la communauté congolaise, direction la France, donc Paris, où nous avons déploré la tentative d'enlèvement de M. Roland Nitou hier soir. Il était, je crois, à 19 h de Paris. Un commando a tenté de l'enlever dans le périmètre immédiat même de son domicile. Alors, M. Nitou a cru devoir raconter cette histoire. Je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais pour des raisons de temps, mais il a juste signalé que
l'accent de ses agresseurs était proche de celui du Congo démocratique, notamment en Lingala. Alors, notamment le fameux Ezaliye. Alors, cet événement n'est pas isolé, puisque Serge Bizet, vous le savez qu'il y a quelques jours, un autre commando dirigé par M. Bokilo s'était rué sur lui et lui avait ravi son portable. Nous ne savons pas ce qu'est devenu cette affaire. Il y a là beaucoup de problèmes, de craintes, puisque la première plainte ou la deuxième déposée n'a jamais été revue. Et il semble que cette justice est une justice soit qui patine, mais qui est une justice à deux vitesses. Comment ça se passe là-bas en France et au UK? La justice anglaise, dans le UK où je vis en Angleterre, elle est différente de la justice française. Pourquoi et comment? Ici, quand tu voles un bonbon, juste un bonbon, tu es allé dans un shop, tu voles un bonbon, tu es un criminel. C'est comme ça aux États-Unis aussi. Parce qu'on ne le veuille pas, nous avons la même mentalité entre vous, Américains, et moi, ici en Angleterre, nous, Anglais. N'oublions pas que j'ai aussi j'ai double nationalité, française et anglaise. OK, passons. Donc ici, quand tu fraudes, par exemple, le tram ou le bus, ben, ou le train, tout simplement, et tu es considéré comme un criminel, un criminel. Voilà aujourd'hui Bokilo, parce qu'on parle de Bokilo. Voilà aujourd'hui Bokilo, au lieu d'aller chercher plus loin, il a peut-être engagé les AOA. Enfin, excuse-moi de dire Zawa, parce que j'ai des amis qui sont dans mon Facebook, mes amis qui sont du Congo, qui savent ça. Mais bon, on a l'habitude d'appeler Zahir, donc le Zawa. Chercher à embêter Roland et tout. J'ai suivi son direct hier. Il était 4 du matin. 4 du matin, j'ai suivi son direct. Ça m'a fait mal au cœur, mais qui cherche pas loin. Je lui donne un tuyau. Je suis toujours quelqu'un qui donne des infos. C'est Bokilo et l'ambassade de Congo à Paris qui a fait que on paye les gens pour le kidnapper, pour le faire taire. Voilà. Je n'ai pas voulu lui dire ça direct, je lui dis ça aujourd'hui. Qui ne cherche pas plus loin, c'est Bokilo. Alors, c'est donc une révélation. D'ailleurs, je l'ai envoyé un message. Il m'a répondu, compte de ta mère, des trucs de bassesse, des trucs vraiment minables pour un homme qui, je ne sais pas, il a quel âge, je ne sais pas s'il a 20 ans ou il a 15 ans, j'en sais rien. Mais il faut qu'il soit responsable quand même un jour. Vous parlez de qui? De Nitu? Non, les gens qui ont voulu kidnapper Nitu hier. Vous dites que ces gens vous ont répondu contre ta mère? Non. C'est Bokilo qui m'a répondu contre ta mère et qu'il va faire ma fête parce que je sais qu'il est derrière tout ça. Qui peut recruter les gens de la RDC en dehors de lui? C'est lui. Alors donc vous avez la Serge Bizet, je ne parlais pas de cette étude, mais vous avez le sentiment que ceci a été fait par lui. Donc, c'est une récidive, en quelque sorte. Je confirme à 100% que ça a été fait par lui en complicité avec l'ambassade du Congo. Alors, donc, nous n'aurons pas le temps, d'écouter Nitu. Je vais essayer de voir si on peut l'écouter. Mais là, j'ai pas voulu répondre quand il a fait son direct. J'ai suivi son direct hier. Oui. Mais j'ai dit, puisque j'ai l'émission avec Jean-Louis demain, enfin aujourd'hui, donc oui. Je préférais lui dire en direct qu'il ne cherche pas loin. Les gens qui ont cherché à nuire à sa santé, c'est bien Bokilo. Donc malgré le fait, nous allons essayer d'écouter Nitu pour quelques 2 minutes, doyen. D'accord. Alors, je crois que nous avons quelques problèmes à suivre le président Nitu, des indignés, quelques problèmes techniques. Hein. Donc ça ne va pas tarder. C'est bien dommage. Hein. Alors, j'ai quelques problèmes. Voilà, je crois que Nitu. Voilà. Cela, c'est pour une vie. Devant chez moi,
tout juste cela. Il n'y a pas très longtemps, je suis rentré, parce que j'étais au commissariat, je suis resté longtemps au commissariat. Alors, ça s'est passé juste à côté de chez moi. Donc, j'ai failli me faire enlever par quatre individus. La plainte, elle est là. Je viens à peine de rentrer. La plainte, elle est là. Je suis resté longtemps au commissariat. Et c'est les policiers qui m'ont raccompagné chez moi à la maison. Alors, ce qui s'est passé aux environs de 19h15, 19h20, donc j'avais reçu de la visite. Un ancien aîné qui était venu me voir. Je le raccompagnais vers l'arrêt de bus, ou soit vers le métro. C'est en sortant de chez moi, comme j'ai toujours l'habitude de regarder, de faire attention devant chez moi, voir quel genre de type de véhicule ils sont un peu garés, quel mouvement qui est un peu au niveau du portail. C'est là où j'ai aperçu donc une Mercedes Vito, de couleur noire, aux vitres teintées. Et en sortant, donc, j'ai vu deux personnes qui s'étaient déplacées du côté du véhicule du Mercedes Vito, qui s'approchaient vers moi. Et le premier, donc, entre les deux, il y en a un qui m'a bousculé très fort, à quel point que mes lunettes étaient tombées. Et dès que je les avais vues, j'avais senti qu'il y avait quelque chose. Dès que mes lunettes étaient tombées, j'ai fait signe au doyen qui était avec moi, un ancien. Je lui ai fait comprendre qu'il fallait qu'il puisse prendre la fuite. Je lui ai dit que grand frère, je suis attaqué là. J'ai couru. Ils m'ont pourchassé. D'abord, quand les lunettes étaient tombées, au moment de ramasser les lunettes, l'un d'eux a parlé au Lingala en disant « Isaïe ». Isaïe, c'est la phrase qui avait été prononcée, Isaïe. Et dès que j'ai ramassé les lunettes, j'ai couru, si vite. Donc j'avais couru en direction du commissariat central, qui est non loin de chez moi, et ils m'ont pourchassé. Il y en a un qui avait essayé de me ceinturer, il n'avait pas pu, il avait eu la chance de me détacher, si vite. J'ai couru jusqu'au niveau du commissariat. Et il y avait un monsieur qui avait suivi ce qui s'était passé. Il avait essayé de venir en aide à un certain niveau. Il avait accéléré. Et à un certain niveau, quand il est arrivé à ma hauteur, il avait baissé sa vitre pour me dire « Mon frère, cours, cours. Ils sont nombreux. Ils sont dans leur véhicule là. Dépêche-toi, cours. » Effectivement, je suis arrivé jusqu'au commissariat de mon arrondissement. Voilà, je crois que la suite, nous la connaissons, notamment l'histoire de la plainte, c'est ça, de doyen? Oui, parce que hier à 4 heures du matin, j'ai pris connaissance de ça, ça m'a fait mal au cœur. Oui. Et j'ai fait aujourd'hui à 11h, 12h, j'ai envoyé un message à Bokulo pour lui dire qu'il arrête. Parce que la seule personne qui pouvait recruter les gens de la RDC, c'est Bokilo. Parce qu'il sait qu'il est mouillé sur trois affaires déjà aujourd'hui. Hein. C'est sur Nitu, en effet. Hein. Ben, je parle de président Nitu. Oui. Voilà. D'abord, je voulais d'abord remercier les amis qui nous regardent. Anissé Kibangu. Il y a Alexandre, Charles-Alexandre Sanga, mon frère à moi. Mon petit frère. Et puis, Noah, je regarde les gens qui sont connectés chez toi. Allez-y, nous aurons le temps de les saluer. Hein. Donc, Christian aussi, je lui dis bonjour. Christian Gombe, qui est le petit frère de celui qui veut se présenter aux élections. Tu connais. Voilà, donc c'est son petit frère. Il est là. Ah bon. Ouais. Bon, ils regardent, ça me fait grand plaisir. Et ils sont tellement nombreux, je ne tiens pas à les citer. Bon, là, donc je voulais dire que moi j'ai écrit à Bokilo,
je ne le fais pas qu'il arrête. Parce que le combat que les Indiens mènent en France, ça nous concerne tous. J'ai vu, comment on appelle, Joe Curtis. Il n'était pas content du tout. Au Canada, Bernard Pongué n'était pas content du tout. Et nous, ici, dans le UK aussi, on n'est pas content. Donc, il faut qu'il arrête. Parce que le pouvoir là, en ce net moment, il est presque fini. Donc, il cherche à divertir les gens, à faire mal aux gens. Ce n'est pas la première fois qu'on attaque le pauvre. Parce que c'est vrai que les 242 ont fait beaucoup de travail. En France. Voilà. S'il y a d'autres questions, et puis Voilà, on va merci mettre. donc, merci doyen pour cette première révélation que vous faites au cours de ce journal de la communauté. Je salue donc, comme vous, tous les auditeurs connectés, sans les citer à ce niveau de notre entretien. Nous allons ouvrir continuer ce journal avec le voyage de Denis Sassou-Nguesso. Vous le savez autant que moi que Denis Sassou-Nguesso se trouve à Pointe-Noire, où il a été reçu le lundi, je crois. Et là-bas, il s'est rendu, comme on l'a dit, en bienfaiteur, des ponts en écrin. Voilà. Je vois sourire, Ça quoi. fait C'est trop grand plaisir. exagéré de ma part. Vous Et pensez que j'exagère? la première fois, quand, comme on appelle en Algérie, comme on appelle Antoine Sassou, que je connais bien d'ailleurs, sa femme. Bon, on ne va pas injurier Oui. aujourd'hui parce que ça m'a valu une suspension au niveau de Facebook. Ah bon? Absolument, oui. Vous étiez venu Bon, avec Abia. je vais dire une chose. Je vais C'est dire une une chose. émission de triste mémoire qui m'a J'essaie de plu. ne pas être trop cru pour ne pas que tu aies des problèmes. Bon, il n'y a pas de problème, je vais les D'accord. assumer. Alors, donc, doyen Denis Sassou-Nguesso s'est rendu à Pointe-Noire, bienfaiteur, parce qu'il y est allé faire des inaugurations, pourrait-on dire, qui vont dans le sens d'améliorer les conditions, on a dit, de vie des populations du Kwilu, de Pointe-Noire et du Kwilu de là. Alors, vous avez là le problème du quai, notamment de nouvelles grues, vous avez le problème de la de nouvelle turbine. Et d'autres inaugurations. Alors, pensez-vous que Denis Sassou-Nguesso est en mesure de se rattraper? Est-ce que tu Voudrais connaissais? pas, je ne voulais pas que vous prononciez sur l'actualité, car je n'ai pas pu évaluer la portée des images qu'on nous a montrées. Mais en tout cas, pour les partisans du régime, il aura fait le plein à l'aéroport. Jean-Louis, est-ce que tu as déjà entendu parler de Grégoire, qui était au zoo de Le singe, Bonneville? oui, absolument, oui. Grégoire. Grégoire, c'était, comment on appelle, un gorille qui pouvait prendre le caca quand tu lui donnais pas la banane, et tu prends le caca et la merce, et il t'emmerce les excréments pour être un peu, pour ne pas être vulgaire. D'accord? Il Oui. t'envoie ça au visage parce que tu ne l'aurais pas donné quelque chose. D'accord? Donc, la population de Kwilu, Pointe-Noire, est allée voir un Grégoire. Tu comprends? Pourquoi il fait souffrir les gens? Parce que les gens ne sont pas partis parce qu'ils sont partis pour voir, en fait, des comptes Sassou. Mokoko, on l'appelait le Messie, hein? Le Messie, on l'appelait le Messie. Mokoko, d'accord? On l'appelait le Messie, carrément, quand il est arrivé à Pointe-Noire. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous avons toutes les communautés, que ce soit sénégalaises, béninoises, ou encore la diaspora du Nord, qui arrivent parce que les gens ont été payés? Les vrais vilains ne sont pas sortis pour aller voir Sassou Nguesso. C'est faux. D'accord? C'est les gens qui ont été véhiculés. Il y a d'ailleurs eu aussi un crash sur la route nationale numéro 1 où le bus a flambé. Il y a eu des morts. Sassou n'a pas été accueilli comme un dieu. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis confronté à beaucoup de dilemmes. Quand je suis en direct avec un ami qui me demande d'être ami, surtout de mon pays d'origine qui est le Congo. La première chose, il me dit, je n'arrive pas à payer mes ordonnances. Je n'arrive pas à nourrir mes enfants. Et que, comment on appelle, moi, je suis né au temps où Sassou a pris le pouvoir.
Et aujourd'hui, j'ai les enfants qui sont grands. Et malheureusement, ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas suivre les études. Et il y a toujours un manque d'argent à la maison. Donc, aujourd'hui, Sassou, il a un système qui est tellement machiavélique, dans le sens que, tu sais, il y a dictateur et dictateur. Quand tu prends un dictateur, comme Ceausescu, ça, c'est un bon dictateur. Pourquoi? Parce que tout le monde avait un logement. Tout le monde était logé. Tout le monde avait un boulot, même si le salaire n'est pas élevé. Et en plus, il n'y avait pas de dette. Ils n'ont jamais fait la Roumanie de Tocharsky, ils n'ont jamais fait appel au Fonds monétaire international. Jamais. Tu comprends? Ils ne connaissaient pas ça. Il n'y avait pas de dette, rien. Tout le monde avait un logement. Quand tu es marié, on te donne comment on appelle, une chambre et un salon. Mais quand tu es, comment on appelle, célibataire, c'est ce qu'ils appellent le garçonnière. Je connais ce pays-là très bien, même avant et après Ceausescu, j'ai été. De Piatra Cluj, ou comment on appelle, Bucarest, je connais tout ça. Alors, ou même là où est le fameux Dracula, j'ai été. Donc, Sassou, à ce net moment, il veut utiliser les gens dans la pauvreté. C'est-à-dire que plus qu'il est les gens sont pauvres, plus qu'il va manipuler les gens. C'est dommage. Alors, comment expliquer cette manipulation? Non, non, c'est simple. Pensez-vous de rien que ce soit, ils soient en face des gens dociles, comme on les Non, présente là-bas, non, les non, gens du Kwilu? c'est simple. Écoute, je vais te dire une chose. Pour mieux régner de nos jours, il faudrait être dur, dans le sens que quand tu en es dur envers la population, c'est-à-dire que tu as affamé sa population, tes propres frères et sœurs, tu les affames. Tu comprends? Tu les prends comme des esclaves. Donc, ils sont réduits à zéro. C'est ce qui s'est passé, par exemple, à Pointe-Noire, lors de la visite de Sassou. Comment ça fait-il que les Sénégalais ont dit, fermez vos boutiques. Fermez vos boutiques, OK? Si vous n'allez pas recevoir le président de la République avec pancarte de la communauté sénégalaise au Congo ou la communauté malienne au Congo, on a vu les pancartes, non? Moi, j'ai eu un truc qu'on m'a envoyé. Et j'ai peut-être pas eu le temps de te le renvoyer à toi, de le voir, par mes amis qui sont à Pointe-Noire, par mes connaissances qui sont à Pointe-Noire. Tu comprends? Oui. Ils m'ont dit, tout le monde avait la possibilité de prendre un bus gratuit, moyennant 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA. Bon, ça fait quand même un repas, ou peut-être deux repas pour une famille. Autant mieux aller, parce que vous avez quand même 70% des gens qui n'ont pas de boulot, inactifs à Pointe-Noire. Autant mieux prendre les 5 000 qu'on te propose et puis tu pars pour applaudir Sassou. Mais bon, je ne sais pas si on Voilà, parlera nous allons rapidement avancer. Nous savons que l'argent a circulé, le cash aurait circulé. Bien Euh, sûr. et, et nous avons aussi vu que Doyen, il a même eu des pancartes, c'est-à-dire sur lesquelles les gens protestaient, donc contre le passage ou l'arrivée du président Denis Sassou Nguesso. Quel courage! Non, mais il y a eu quand même de courageux qui l'ont fait. Moi, j'ai ces pancartes-là. J'ai eu peut-être tort parce que je suis sorti du travail un peu tard. Et j'aurais voulu t'envoyer quelques pancartes qui ont dit ça suffit. Il y a des gens qui ont manifesté, qui ont dit ça suffit. Mais on ne le montre pas à tout le monde, bien sûr. Mais ces jours-là, c'est vrai qu'il y a, à la dernière minute, quand ça s'est passé, Allô? comment on appelle le général Moko, on l'appelle Moïse, hein? Oui. Mais Sassou, on l'appelle le diable, à Pointe-Noire. C'est tout à fait Voilà. normal. Voilà, nous sommes sur Je ne l'affaire. sais pas si tu es au courant, en fait, de la pancarte qu'on a mis, la délégation, comment on appelle, l'association du Nord ou délégation, je ne sais pas, quelque chose du Nord. J'ai vu, je sais Non, pas. diaspora. La diaspora du Nord. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire, doyen? Bon, il y a deux choses. Ou ils ont oublié diaspora du Nord du PCT, ou ils ont fait exprès de dire que diaspora du Nord parce qu'ils ne sont pas dans le Congo. S'ils ne sont pas dans le Congo, ils devaient demander une carte de séjour. Est-ce que vous Parce que voyez leur république à eux, c'est Oyo, la république de Oyo.
Donc, doyen, Merci vous beaucoup. pensez que tout ceci, parce que j'ai appris, quelqu'un me disait que ça s'inscrit dans le cadre de ce fameux plan Mwebara. Est-ce que là-bas, on doit dire qu'il y a des groupes comme ça Non, qui se non, forment non, pour... non, 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 non. Je dis que tout moment, quelle que soit laquelle où elle est mauvaise ou machin, une personne qui est morte, on doit respecter quand même sa mémoire. Okay? Moi, j'ai perdu ma mère et je ne porterai jamais mon nom, le nom de ma mère, dans d'autres actions que je vais faire. Oui. Lui, il a utilisé dans, oui, du poule un peu partout, moi et Bara et tu trouveras aujourd'hui Jacques Chirac, qui était, comment on appelle, un assassin français, d'ailleurs, qui armait Sassou, et aujourd'hui enterré à Père-Lachaise. Mais Moué Bara, comment on appelle, c'est un monument où on enterre toute la famille Sassou, aux contribuables de l'argent congolais. C'est les Congolais qui financent tout ça. Bon, passons. Bon, ça, si je reviendrai après. Oui, mais doyen, je voudrais, est-ce que vous sentez que dans la ville de Pointe-Noire, il y a finalement le phénomène du tribalisme, donc de la scission même? Ah ben, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Un gars du Nord, parce que c'est effectivement un gars du Nord. Je voulais parler pas l'ensemble du Nord. Je parle de Yo, ok? Parce que moi j'ai des amis, des frères, des amis qui sont proches de moi, qui sont du Nord. Mais non, non, ils sont pas dans ce genre de. Je suis plus en ligne, je pense, non? Non, non, je suis en train de monter aux auditeurs ce Ah, que je d'accord, parle. d'accord. Oui, Voilà, diaspora du donc la Nord. diaspora du Diaspora Nord. du Nord. Est-ce que ce terme a la résonance même, ne véhicule absolument rien, là? On parle de terme de diaspora, mais Mais du Nord à Pointe-Noire. non, c'est une faute grave. D'ailleurs, moi, je dis franchement la vérité. Si j'étais ministre de la Justice ou peut-être au Boulou, c'est pas Bouyou, c'est pas ce qui est Boulou, là, qui est ministre de l'Intérieur, Monsieur Mboulou. je devais à tout prix supprimer cette association. Parce que cela me prouve que Alors, oui, il y a. on se dit que cette association a été enregistrée au ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Donc, avec des documents écrits, des objectifs Tout à précis fait, c'est ce qui que ont j'ai été dit. validés par ce ministre-là. Jacques, tu sais, John Lewis, pour moi, et cela montre effectivement que le Congo est. Tu sais, avant, on disait Boukadia, il veut une sécession du pays. Mais cela montre effectivement que les gens du Nord sont pas. Pour eux, je ne dis pas dans l'ensemble des Congolais qui sont du Nord, mais pour eux. Ils ne sont pas du Congo. C'est une diaspora qui est donc à Pointe-Noire, le Congo qui est donc, comment on appelle, un autre Congo. Parce que pour eux, la diaspora, ceux du Nord, pour eux, ils considèrent qu'ils sont du Nord et ils vivent, comment on appelle, Comme à à l'étranger. Oruro, je ne sais pas où. Et bien, quand ils sont à Pointe-Noire, ils sont étrangers. Mais il faut leur faire les cartes de séjour. Voilà. Merci donc, doyen. C'était donc pour illustrer ce dont nous parlons. Nous allons continuer notre émission avec toujours sur Denis Sassou Nguesso. Nous allons nous appesantir d'abord sur Denis Sassou Nguesso et nous aborderons le reste après, doyen. Pendant que vous étiez dans votre retraite, non pas retraite, hein, votre éclipse stratégique peut-être, La dirait-on. retraite, c'est pas encore maintenant. Voilà, on a présenté Denis Sassou Nguesso comme, il y a d'abord l'affaire du pétrole. Vous savez que vers Yinda là-bas, j'ai suivi des images où on présente Agip comme en train de faire du onshore et ça va créer des problèmes d'environnement. On ne sait pas trop comment ces gens ont été dédommagés là-bas. Vous voyez, c'est un scandale là-bas. Est-ce que Agip, non, non, pas Agip, Eni va dédommager décemment ces gens et Oui. qu'est-ce que, à terme, ça va causer comme problème de santé Je te donne l'info aujourd'hui. Bon, tu es un homme de médias comme moi. Je te donne l'info aujourd'hui. C'est pas moins de 100, 200 personnes décédées par tous les mois, en ce moment à Pointe-Noire. Surtout, Djeno est beaucoup, comment on appelle, pollué. Tu sais, le Il y a pétrole. aussi Côte-Matèvre, là où on installe la fameuse turbine, là. Tout à fait. Et d'ailleurs, on reviendra peut-être sur leur centrale, comment on appelle, au gaz, alors que c'est un monsieur qui tient beaucoup à l'écologie. C'est quand même dommage, c'est honteux. Mais bon, c'est pas grave. Mais je vais dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades,
à cause des résidus de pétrole. Et c'est quand même dommage que Sassou ne comprend pas ça. Et en plus, ce qui est malheureux, c'est que c'est les gens qui sont là, qui habitent là. La plupart, c'est les Bayombe, les Vili. Tu comprends? Oui. Et que leur pays a été pris en otage par un gars qui vient de loin. Il n'a qu'à exploiter. C'est-à-dire que le pétrole, là, c'est un malheur pour le Congo. Parce que s'il n'y avait pas le pétrole au Congo aujourd'hui, s'il n'y avait pas le pétrole aujourd'hui, je dis franchement la vérité, qui était confisqué par l'État français, aujourd'hui, le Congo serait 10 fois meilleur que le Dubaï. Nous sommes combien de... Bon, nous sommes combien de millions d'habitants? Et ils augmentent les chiffres, les Arawaks qui viennent au... je m'excuse de dire Arawaks, je m'excuse. Je dis à tous mes amis qui sont de la RDC de m'excuser quand je dis Arawaks. C'est juste une petite différence, mais ça ne veut rien dire parce que je les aime. Ce sont mes frères, ce sont mes frères et mes sœurs. Je les adore. Mais si on n'avait pas augmenté ce chiffre-là de gens de la RDC, nous ne sommes même pas 4 500 000. Nous sommes exactement... Il faut compter aussi la diaspora qui est à l'étranger. À la diaspora qui est à l'étranger, nous sommes plus d'un million. Mais Doyen, mais pourquoi AGIP, excusez-moi, ENI a-t-elle choisi une solution de facilité de ce genre, d'aller faire du onshore alors qu'en haute mer, là-bas, on peut exploiter, continuer à exploiter du pétrole? Pourquoi ils ne mettent pas leur argent pour utiliser les technologies sophistiquées modernes pour aller le faire en haute mer plutôt que de... Mais d'accord, quand vous avez un chef d'État qui est voleur, tout ce qu'on lui propose, ça va dans sa caisse, c'est tout. Tout ce qu'on lui propose, ça va dans la caisse. J'espère que tu me poseras la question sur les retraites et les étudiants. J'espère que tu arriveras sur ça, je te reprendrai. Mais pour l'instant, je te dis... On va en parler. On va en parler. Oui, Sassou ne voit pas le malheur de sa population. Il s'en fout complètement. Il vous a d'ailleurs fait comprendre la dernière fois, vous les journalistes, nous. Il vous a fait d'ailleurs comprendre la dernière fois quand il a pris, il a fait un speech sur comment on appelle l'état de la nation auprès des armées. Il a dit, vous faites mieux de, comment on appelle, vous faites beaucoup avec très peu qu'on vous donne. Alors, on vous demande de faire plus. On vous demande de faire plus. La répression, taquiner les gens, voler les gens, arnaquer les gens. Hein? Mais vous devez savoir une seule chose. Qu'il faudrait, ça c'est un message qu'il a donné d'ailleurs aux journalistes, comment on appelle, congolais, que vous qui suivez le, comment on appelle, la diaspora ou ce qu'on met en ligne, et que si vous voulez relier ça ici, vous allez avoir un sort réservé au machin parce que vous attaquez à la famille présidentielle. Donc lui il s'en fout. Si par exemple il donne par exemple aujourd'hui 1 milliard, tu comprends? À Sassou, il est content. Il va mettre ça de sa poche. Et tu veux qu'il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va rien faire. Lui, ce qui l'intéresse pour lui, c'est s'enrichir. Est-ce que Sassou a encore 10 ans à vivre? Je te dis non. Dans trois ans, tu me donneras raison. Je te dis 3 ans. 3 ans seulement. Alors, Doyen, on constate que au Gabon, donc à côté, tout juste à côté, même à Cabinda, les gens ne déplore pas ces problèmes écologiques. Nous avons tout récemment encore le bombardement des nuages par une équipe dont on nous parlait donc pour arrêter la pluie là-bas. Alors, est-ce qu'il y a... Bombardement des nuages, c'est plutôt pour donner la pluie. C'est pour donner... Voilà, pas pour arrêter. Alors, il n'y a pas de société d'organisation humanitaire qui interviennent sur le plan international et essayent de protester quand même. Nous n'avons même pas entendu que des gens parlent de ça. Pourtant, nous déplorons des morts tous les jours à Pointe-Noire. Il y en aura toujours. Tant que nous, diaspora, on ne fait pas un travail de fond, on n'est pas solidaire, rien ne marchera. Parce que Greenpeace ou d'autres organisations, carrément, ils ne savent pas ce qui se passe au Congo. Tu comprends? Global Witness, qui est juste à côté chez moi ici, c'est ici en Angleterre. Tu comprends? Oui. Il faudrait à chaque fois donner, faire des lettres, faire des audits. On a fait un grand travail. Je salue d'ailleurs tous mes amis de la diaspora ici en Angleterre, de Marie-Louise Abia
comment on appelle, Saigon, ou encore Tom Lewis, pour citer que ceux-là qui sont beaucoup plus médiatisés que les autres. Mais dans tout ça, dans l'ensemble, il y a là des gens. Il y a Jean-Pierre qui est là. Il y a beaucoup, beaucoup. Tu comprends? On essaie de travailler et de donner quelque chose ici, au moins que ça puisse partir au Congo. Pourquoi? Parce qu'en France, tout le monde est corrompu. Vous avez un président qui est Macron. C'est un businessman. Moi, j'ai voté Macron. J'ai aussi la nationalité française, comme tu le sais. D'accord? J'ai voté Macron, mais je regrette mon vote. Parce que lui, je l'avais dit dans mon première vidéo, je dis, si tu, le jour que tu vas embrasser ce gars-là, tu seras un vendu. Ben voilà, j'avais raison. Voilà, nous allons parler toujours de Denis Sassou Nguesso. Parlons de Sassou Nguesso, le boucher. Vous avez certainement appris que le président veut augmenter la productivité, donc à créer quelques entreprises là-bas au nord du pays. Nous avons, on parle de boucherie. Alors, qu'en dites-vous exactement, M. Serge Bizet? Mais ben, Sassou a toujours été un boucher. Oui. Sassou a toujours été toujours un boucher. Maintenant, il se rabat sur les, comment on appelle, les veaux, les vaches, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas s'il a encore quelques cabris là-bas dans son village. Mais c'est lui, c'est un boucher. Boucher, un, ben, un boucher, celui qui tue. Il n'a pas de tas d'âme. Il tue. Tout ce qui vient, il tue. Les humains, machin, il tue. Il s'en fout, il tue. La, l'activité comme telle, comment réagissez-vous? Mais sa viande, là. Moi, je n'ai jamais vu un chef d'État. J'ai jamais vu un chef d'État dans le monde. C'est pas. Je ne sais pas, j'ai jamais vu un chef d'État aujourd'hui. Vous n'avez jamais vu de chef d'État avoir des business? Donne-moi un nom de chef d'État royal qui avait un business. Si aujourd'hui tu as un business, attends, si tu es un chef d'État aujourd'hui, et tu avais un business auparavant, tu mets ça en stand-by, ton business. D'accord? Mais tu ne vas pas continuer. Lui, c'est un menteur. C'est... Voilà. Je suis heureux que tu me poses cette question. Tu te rappelles mon frère quand il avait dit, John Lewis, quand il avait dit que je suis prêt à donner 2 ou 3 vaches à celui qui veut faire la demande. Tu comprends? Oui. Le jour, au lieu de dire des veaux, il a dit le jour que la vache aura des bébés. Mais il a complètement oublié que son, comment on appelle son, son moteur, qui est Jacques Chirac, qui mangeait la tête de veau. Tu comprends? Hein? Et il a complètement oublié, il a dit les bébés. Je n'ai jamais vu une vache qui fait les bébés. Bon, passons. Je, comment on appelle Sassou, c'est un malhonnête. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi malhonnête comme ça. Tu comprends? Jamais vu. Parce qu'il a promis aux paysans, il dit, moi je peux vous donner 2 ou 3 vaches. Vous pouvez faire la demande. Alors, celui qui habite par exemple, à, c'est pas au Kwilu, ou qui habite à Muyonzi, et veut avoir 2 vaches. Mais comment les transporter jusqu'à Muyonzi ou de l'Okuyo? Je me pose la question avec la route qu'il a. Et tu ne peux pas aujourd'hui, je suis fermier, je vais être fermier et je vais prendre une vache, mettre sur ma tête et marcher. Et la, à moins que ce soit vraiment la vache de M. Séguin. Voilà. Et la vache de M. Séguin qui est, bon, c'est vrai qu'il a, il est habitué à avoir des vaches. Même, il y a les vaches. Et il y a une vache qui est là aussi, qui est Claudia, qui n'est pas la vache, la vache de M. Séguin, mais c'est la vache Claudia de Sassou Nguesso. Voilà, je vous rappelle que je reçois Serge Bizet du UK, qui est un ami qui a toujours le courage de ses propos, qui est un ancien militaire, on ne vous l'a pas dit. Hein, voilà, hein, marin, je crois, qui était... Ouais. Dans voilà, la marine. Connu, d'ailleurs, je salue, j'ai fait un clin d'œil à mon grand frère, Arnaud, je ne dirais pas son nom de famille. Vous avez connu Denis Sassou Nguesso comme intendant? Non, j'étais comment on appelle, je m'envoyais à l'école de cadets, je ne supportais pas, ça ne me disait rien. Donc, il m'envoyait directement aller au bataillon parrain où j'ai connu Yombi, Yombi qui était donc commandant de bataillon parrain. Oui. Et Nkuma qui était commandant de bataillon parrain, pardon, je m'excuse. Nkuma qui était commandant de bataillon para, Yombi qui était l'adjoint, et Sassou qui était l'intendant, et Ange Diawara qui était donc
comment on appelle, commissaire politique à l'armée, et qui avait la troisième compagnie qu'on appelait la compagnie la compagnie féroce, où d'ailleurs où j'étais avec Dabira. J'étais votre frère, oncle, je crois. Hein, oui. Voilà. Merci donc pour le rappel, pour ceux qui nous... J'étais avec Dabira, le même Dabira général. Voilà, que pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, donc Serge Bizet parle de ces choses avec autant d'autorité puisqu'il a côtoyé tous ces gens. Alors, Sassou me connaît très bien. Donc, si vous voulez voir Sassou, vous dites Chico. Moi, s'il me voit la photo, je connais. Mais s'il dit Chiquito, c'est moi. Donc, Chiquito, ça veut dire, en espagnol, ça veut dire gamin, petit. Voilà, Denis Sassou Nguesso est en train également de se débrouiller à ramener la paix, a-t-on dit, sur le plan africain. On parle ici de ses incessants voyages sur le problème de la Libye. Il s'est rendu en Allemagne il y a quelques mois ou quelques semaines et a organisé une autre conférence à Kintele à coup de milliards sur l'affaire de la Libye. Que cherchons-nous dans cette affaire de la Libye? Est-ce que vous pouvez, pour la gouverne des auditeurs, nous dire exactement pourquoi le président s'emploie aussi férocement, farouchement, j'allais dire, à ce problème de la Libye? Jean-Louis, à Kintele, il y a eu combien de personnes qui sont arrivées? Combien de chefs d'État? Est-ce que vous avez vu, comment on appelle, le général Haftar à Kintele? Est-ce que vous avez vu le général Haftar de la Libye? Le général Haftar à Kintele, il n'est pas venu, d'accord? Parce que Sassou, je ne sais pas qui lui a donné ce titre-là, président de haut. L'Union africaine. Ouais, ben c'est des conneries tout ça. Parce que quand il voyage, il ne voyage pas pour l'Union africaine, ce n'est pas l'Union africaine qui finance le voyage. Combien de fois il a loué les avions à ce nom-là, président de temps, au nom des Congolais, aux contribuables congolais, l'argent des Congolais? Vous savez combien de fois ça fait des milliards? Prends l'exemple aujourd'hui de juste un bimoteur. Un jet, un petit jet, ça te fait 27 000. 27 000, d'accord? Et où il y a le luxe? 27 000, où il y a l'hôtesse, machin, tout. 27 000 euros, l'heure, d'accord? Mais lui, il prend un Boeing. Ou ça peut prendre un 777 Maxi, admettons. Mais c'est aux heures qu'on comptabilise, le temps de vol. C'est pas à l'arrivée, non, c'est aux heures. Donc, quand vous avez aujourd'hui, par exemple, 35 000 euros, tu comprends, à payer chaque une heure, parce que vous avez le service, vous avez tout à l'intérieur, mais ça fait des milliards. Est-ce qu'on ne peut pas créer des sociétés, on ne peut pas donner des emplois aux Congolais, aux jeunes Congolais qui en souffrent? C'est quand même dommage. Et aujourd'hui, on parle de Sassou qui arrive, en Allemagne. Je vais te donner l'info. Allez-y. Ici, dans le UK. Parce que tout le temps, on voit seulement la diaspora française. On dit en France, la diaspora, elle est active. Mais je vous dis aujourd'hui, je dis à tous mes amis qui sont en ligne, à tous mes compatriotes qui sont un peu partout à travers le monde, là, il faut compter sur la diaspora anglaise. Elle est très, très active. Tu prendras, je citerai les gens qui sont connus. Tu prendras Marie-Louise Abia, Tom Melouin, ou Saigon, Mundanda. Tu prendras ces gens-là. Nous, ici, le jour qu'on a mis, Paul Makaya. Oui. Nous avons tapé sur toutes les portes. Il restait juste à voir la reine. Et la lettre est arrivée jusqu'à la reine. Et Saigon Mundanda. Et Saigon a fait un travail magnifique. Parce que c'était lui le premier secrétaire, de l'association ici, pour soutenir Paul Makaya. Mais je dis une seule chose aujourd'hui, si aujourd'hui Boris Johnson n'a pas fait un clin d'œil ou serré la main au dictateur Sassou,
c'est nous, la diaspora anglaise ici. Quand vous parlez de, comment on appelle, de tout ce qui se passe en Angleterre ici, ici, là, nous, on est derrière. Je salue d'ailleurs Marie-Louise Abia, Tom Elvin. Alors, donc, pour vous, le geste de ce Boris Johnson n'était pas une surprise. Non, non, nous, on savait, on savait. Mais attends, écoute, Sassou, c'est un pauvre mec. Je te dis aujourd'hui, je m'excuse, je ne suis pas quelqu'un qui insulte les gens, d'accord? Mais c'est un pauvre mec. Vous avez une reine ici, tu comprends? Une reine à un ambassadeur qui est basé au, comment on appelle, à Kinshasa. Envoie une lettre aux autorités congolaises. Il envoie une lettre en disant il faut libérer Paulin Makaya. On peut le libérer, mais on ne le laisse pas sortir. D'accord? Oui. Et vous trouvez ça normal? Ici, les Anglais ne sont pas comme, c'est pas comme les Français. Les Anglais ont presque la même mentalité que vous, les Américains. Oui, oui. Tu comprends? Parce que c'est nous, nous, Anglais, qui avons fait qu'aujourd'hui, vous soyez là, vous, les Américains. C'est notre diaspora. Comment on appelle? Les Écossais comme les Irlandais. Donc, vous avez la même mentalité que nous. Hein? Oui. Et nous, nous avons vu Boris Johnson, nous avons parlé, nous avons écrit beaucoup de lettres. Et dit, si tu pars, hein, le Labour va prendre le pouvoir. Parce que notre diaspora ici, qui s'est constituée de Congo-Kinshasa, de Congolais de Brazzaville et d'autres nationalités, nous sommes très actifs ici. Très, très actifs ici en Angleterre. C'est ce que je te donne d'abord l'info. Moi, oui. Quand je vois Tony Lloyd, il faut demander à tous les gens qui habitent l'Angleterre. Tony Lloyd, c'est mon copain. C'est un blanc, c'est comment on appelle, il est comment on appelle à Westminster. C'est mon copain. Il est dans mon Facebook. C'est mon ami. Tony Lloyd, cherche-le, tu vas le trouver. Allô, Serge. Nous, nous, quand on veut passer par les gens. Oui. C'est pas comme en France où il faut attendre des mois et des mois. Mes excuses, Serge Bizet. Un instant, Serge Bizet, j'ai quelques problèmes ici. Toutes nos excuses pour. Nous avons quelques difficultés. Voilà, vous pouvez continuer, Serge Bizet. Oui, donc je disais, nous ici, moi, Tony Lloyd, c'est mon ami. C'est mon ami, je le vois quand j'arrive dans son bureau, j'ai dit, je vois la secrétaire, je vois Tony Lloyd, il dit, faites-le passer. Hein? C'est un influent, Tony Lloyd. Alors, c'est ce que nous ne voyons pas en France. Alors, des gens en France... Non, en France vous avez l'intérêt, c'est-à-dire que tout ce qui est, comment on appelle, démarche que mes amis qui sont en France qui peuvent faire, il y a Total qui est là. Bon, ils sont eux-mêmes d'abord français aussi, hein? C'est cela, non? Les Congolais. J'ai aussi un passeport français, je peux te le montrer. J'ai deux passeports français et anglais. Voilà, il n'y a pas incompatibilité là. Non. La mentalité française, moi je dis franchement la vérité. Si un jour je suis appelé à revivre en France, je ne pense pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, est-ce que. Parce que je suis habitué ici avec la mentalité d'ici et que ici tout est droit. Tu voles un bonbon, tu es considéré comme un criminel. D'ailleurs, c'est ce que je voulais aussi faire un jour, et qu'il y ait une loi. Moi je ne suis pas appelé à briller à une fonction, ce n'est pas ministre, c'est pas quoi. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ça. Moi, le seul domaine que je vais donner mes compétences, c'est juste dans le tourisme. Ah, le tourisme, là, je dirais, voilà comment il faut faire pour développer le pays. Voilà, Serge Bizet, nous allons avancer dans ce journal. Je rappelle à tous ceux qui sont connectés que vous pourrez poser des questions à cet auditeur, à mon invité, dans quelques minutes. Nous allons donc regarder les questions des auditeurs dans quelques minutes. Serge Bizet, on avance avec un autre tableau, celui de M. Christelle Sassou Nguesso, qui est donc le fils du président. On a parlé de mise en examen. Il est connu donc de tous qu'effectivement il traîne des problèmes de détournement de fonds avec sa sœur, mais on croit qu'effectivement il n'a pas été mis en examen. Est-ce que vous pouvez nous ramener dans cette actualité et nous dire à celui-ci, vous avez l'information bien sûr, oui. Où en est-il exactement? Est-ce que oui ou non, Christelle aurait été mise en examen? Je rappelle qu'il ne faut pas m'appeler pendant que je suis en train de faire l'émission,
Vous pourrez le faire après. Allez-y, Serge Bizet. Oui, donc je suis content que tu arrives à ce sujet de Kiki. Bon, Kiki, pour commencer, allô? Allô? Allez-y, allez-y. C'est bon? Oui. Parfait. Donc, je disais, ce qui arrive à... Bon, je vais peut-être décevoir beaucoup de mes compatriotes qui sont en France. Mise en examen, ça ne veut pas dire que nous avons gagné la victoire. C'est faux. D'accord? Je ne suis pas un juriste, mais je connais. Bon, je suis dans le métier où on doit connaître un peu le, comment on appelle, la loi. Je ne pense pas aujourd'hui qu'avec tant de fortune, avec tant d'intérêt que les Sassou aujourd'hui, ils ont, peuvent freiner ou peut-être repousser à demain. Parce que l'histoire de Kiki, là, ce n'est pas d'aujourd'hui. S'il fallait l'enfermer, il était en France. On l'a laissé partir, pourquoi? Alors que la plainte était déjà là. D'accord? Et c'est peut-être une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça veut dire au moins il a été ciblé. Mais la mauvaise nouvelle, je veux le dire aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il a été mis en examen que ça va aboutir. Tant que Sassou ne partira pas au pouvoir, tant que Total ne lâchera pas le morceau, jamais, jamais. Vous ne voyez pas que de Ben partout, non, ben non, ben il y a non, ben non. les critiques qui fusent, le président a critiqué de partout, les enfants, les affaires dans les tribunaux. Est-ce que ce n'est pas là, la descente aux enfers qui... Non, 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 non. C'est-à-dire que nous, diaspora, nous devons comprendre une seule chose. Que si nous voulons travailler, continuons à travailler, ne rêvons pas. Parce qu'on rêve beaucoup, on disait, ah, on l'a mis en examen, ça y est, c'est fini, il est cuit. C'est faux. D'accord? Parce qu'ils ont des moyens. On a vu Balkany, non? Balkany, c'est pas tu es au courant, tu connaissais Balkany de Levallois. Il était là en prison. D'accord? Il s'est fait malade, malade, je suis malade, ma chère. On l'a sorti, il a donné l'interview. Le même jour qu'il sort, il donne l'interview. Que voilà comment j'étais en prison. Il est plus malade. Là, il donne l'interview. Moi, je vais dire une chose. Il y a beaucoup plus de magouilles en France qu'en Angleterre. En Angleterre, ça ne passe pas comme ça. C'est bizarre quand même. La justice française, ça me fait mal au cœur de voir que tous ces dictateurs-là, Obiang, aujourd'hui, ils ont saisi les meubles, le machin, et 30 millions de dommages et intérêts, c'est pas quoi, qu'on doit payer à la justice. Lui est capable de donner l'argent. On le laisse en liberté. Ils ont l'argent, ils s'en foutent. Ce n'est pas leur propre argent, c'est l'argent des contribuables de leur pays. Comme Christelle. Moi, j'ai eu Christelle. Je te donne l'info. Oui, allez-y, révélation number two. Number one. Number one? Okay. Number one. Go ahead. We can go for number two. Now it's number one. All right? Okay. 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 Number one, c'est-à-dire que j'ai eu, comment on appelle, Christelle. Je l'ai écrit. J'ai dit bonjour. Et je crois que c'est le plus intéressant parmi ces enfants-là. Il y a aussi, comment on appelle, Claudia qui a été très sympa. Ah, vous Moi, pensez que j'écris très sur les poli, hein, la lois. politesse, hein? Non, non, la politesse, oui. Mais celle qui a été malhonnête, donc je vais redire ça au number two, c'est Madame Sassou. D'abord à Christelle, j'ai dit bonjour, je suis Serge. Serge Bizet, il m'a répondu poliment. Et je t'ai envoyé d'ailleurs le lien, non? Oui. Il m'a répondu bonjour, monsieur Serge Bizet. Je l'ai répondu, j'ai dit est-ce que vous savez que vous avez détruit le pays? Il m'a juste dit merci. Et après, il était plus en ligne. Et je regrettais pourquoi je l'ai dit tout ça tout de suite. Je pense que j'aurais mieux tenté d'aller jusqu'au fond pour avoir une conversation. D'accord? Oui. Quand, comme on appelle Claudia, vous allez, vous pouvez écrire hein, à Claudia, vous pouvez écrire à Christelle, vous pouvez écrire à Sassou si vous voulez. Vous allez dans leur page officielle. C'est facile ça. Faut pas être journaliste pour rentrer dans leur page officielle. Même s'ils ne répondent pas tout de suite, mais ils vont répondre. Ce n'est pas les secrétaires ou d'autres personnes qui travaillent à la place. Non, eux-mêmes, ils répondent. Alors, son silence, c'est quoi? Madame Oui, Sassou allez-y. m'a proposé l'argent et après quand j'ai refusé, Combien? m'a dit que tu t'étais et puis tu as une somme.
Je dis, je ne suis pas à vendre. C'est ta belle-sœur, non, à l'époque? Oui, c'est... Oui. Belle tante. Ah, belle tante. Ah, ok. Oui. Parce que Alors donc, c'était la femme de Kader. Voilà. tu as refusé l'argent, un bon paquet, Non, hein? j'ai refusé. Alors là, vous découvrez... Vous Non, découvrez... au début, d'ailleurs, tu peux mettre en ligne ce que je t'ai envoyé. Tu peux mettre en ligne ce que je t'ai envoyé. Elle m'a dit c'était bien au début. Et comme nous sommes dans la démocratie, des trucs, mets ça en ligne. Moi, je te donnais, tu peux mettre en ligne. Nous sommes dans la démocratie, machin comme Vous ça. me jetez là en pâture, là, vous me vendez Oui. là. Mais bon, je n'ai pas voulu te donner le récent parce que c'était. Je n'ai pas envie de salir son image. Je vais dire une chose. Madame Sassou, c'est une femme utilisée. Une femme, vous pensez qu'elle n'a aucune responsabilité? Non, c'est une femme utilisée. Sassou a déjà tapé, comment on l'appelle? Si ce n'est pas une femme utilisée, comment tu peux aujourd'hui concevoir une femme qui est aujourd'hui une femme, tu es à la maison, et concevoir et donner la permission à ton mari d'aller faire les enfants ailleurs? Où tu as déjà vu ça? Non, non, elle n'autorise pas. Il le fait par entêtement, non, Serge? Est-ce que Sassou a déjà tapé, comment on l'appelle, Antoinette? Je dis oui. Je peux te donner les infos. Ou quand? Mais elle est toujours martyrisée, la pauvre. Donc, vous... Elle est utilisée. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Le plus grand cadeau qu'elle a devait demander de faire, c'est de construire un genre de palais. Un jour, si ça ne marche pas, C'est elle ce doit qui vivre à fait la rue. qu'elle a négligé le Quilou, qu'elle n'a rien foutu là-bas. À part la maison là où habite Vincent Gomez, c'est sa maison. Ça a été construit par le contribuable congolais. C'est la maison de Madame Sassou. Mais elle a une fortune, Madame Sassou. Qu'a-t-elle fait de Oui, cette bien fortune? sûr. Tu trouveras l'immeuble d'ailleurs, juste, comment on l'appelle, en pleine ville. Et je crois sur 4 étages. Et puis, tu trouveras 5 milliards de francs aux États-Unis, dans votre pays. Alors donc, vous pensez qu'elle n'a aucune responsabilité sur le comportement même de son épouse? Sassou a gardé, comment on l'appelle, Antoinette, parce que il sait que en gardant Antoinette, il y a point noir. Ah bon? Ah ben c'est tout simple. Si aujourd'hui Antoinette n'avait pas de point noir, elle serait virée il y a longtemps. Ah Quelle est donc... la femme aujourd'hui? Moi, je dis aujourd'hui, je suis fiancée, d'accord? Et que demain, Doyen, je doyen, me vous n'êtes que marie. fiancé? Je donne l'exemple. Ah, ok. Je suis fiancée aujourd'hui et demain, je me prends cette fiancée-là en mariage, d'accord? Et que ma femme va m'autoriser d'aller faire les enfants ailleurs. Mais qui vous le tenez de qui, doyen? Je suis un peu surpris quand vous dites qu'elle a autorisé cela. Hein, doyen? Tu sais, tu as vu le caméléon, le caméléon change de couleur, d'accord? Et le caméléon a toujours des attouches partout, d'accord? On arrive là, c'est vert, ça arrive là, c'est jaune. Je suis plus en ligne ou je suis en ligne? Vous êtes en ligne. Ben, je vais te supposer. Oui, voilà, ça c'est Christelle, oui. Vous Et avez ça c'est Antoinette. voilà, vous m'autorisez donc diffuser de publier cela. Oui, ben, c'est pas grave, il y en Donc, a encore d'autres. Et après, elles à se droite, sont donc. crues. Et j'ai préféré arrêter la conversation. Voilà, D'accord. donc Parce que d'autres, Christelle. je n'ai pas voulu montrer Oui. la conversation entre elle et moi. Elle me connaît, je la connais. Bon, D'accord? elle dit qu'elle parle d'anarchie. Donc, la démocratie ne signifie pas l'anarchie ni le désordre. Si tu n'as pas trouvé quelqu'un qui doit te dire la vérité, moi, je le ferai. Te le dire. Bon, te le dire. Voilà donc ce qu'elle répond. Et donc, elle croit que vous êtes un anarchiste. Bon, d'après elle. D'après elle, bon, c'est Bon, tout. je crois qu'il y a doyen. On va aller un peu plus profond. Il y a un message qui a été enlevé ici, non? J'ai Delete. enlevé ce message parce qu'il était Voilà. cru de sa part. C'est trop cru What did et he say? je ne veux pas la salir parce que c'est une femme déjà martyrisée. Donc, je ne vais pas la salir davantage. Moi, j'adore les femmes, je les respecte les femmes. Je n'ai pas envie de les insulter ou encore les salir. Donc, je préférais couper ça. Oh, so you block, tu l'avais bloqué aussi? J'ai bloqué pour éviter qu'elle m'envoie encore plus de conneries. Parce que c'est pas ça. C'est une femme martyrisée, c'est une femme qui est utilisée. C'est pas une femme qui est libre. C'est pas une femme. C'est une femme utilisée. Ok. Voilà, merci Tu donc, doyen. me diras d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu me diras que j'avais raison. Elle dira elle-même. Parce que je suis au courant. J'ai pas envie de donner encore d'autres infos parce qu'aujourd'hui.
Je donne juste l'indice. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui meurt en France, qui c'est qui l'envoie au Congo? Voilà, doyen, nous allons essayer de regarder les questions et remarques des auditeurs, ça va? D'accord. Voilà, rapidement. Alors, salut donc à Charles Alexandre Tsanga, donc tous ceux qui sont 3 ans d'espérance de vie à Sassou, tu es gentil, bisé. Donc, il croit que ce serait peut-être moins. Alors, Charles Tsanga, dans la diaspora congolaise. Mon frère Charles, il me connaît, je le connais, c'est un garçon admirable, j'adore ce garçon-là. C'est vraiment mon pote à moi. Je peux dire que j'ai... Il ne faut pas souhaiter la mort de quelqu'un comme ça, même si on non, est... Non, je ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Mais moi, je dis, d'ici 3 ans, vous allez entendre. Moi, je suis Serge Bizet, je dis, d'ici 3 ans, vous allez entendre. On n'a pas besoin d'acheter des armes pour aller le combattre. Bon, il, voilà. Il va disparaître dans 3 ans. Mais il y aura d'autres Sassou qui vont ressurgir. Hein, et ce sera l'éternel recommencement. Est-ce que la solution est celle-là? Alors, vous avez Charles-Alexandre, dans la diaspora, ça c'est important, doyen. Dans la diaspora congolaise, il y a trop de porteurs de carapace. Ah, donc des gens, par exemple, un Toumi, non, un Sassouiste, faux Sassouiste, non, faux Toumi, oui, faux Sassouiste, recouvert de carapace d'un Toumi ou et vice-versa. C'est cela, je crois. Hein. Vous les connaissez, ceux-là? Bon, nous avons une diaspora. D'ailleurs, beaucoup de Congolais disent diaspora. Il y a ceux qui sont pourris, c'est vrai. Mais je ne peux pas les citer. Nous avons une diaspora qui est là, mais malheureusement on s'entend pas. Je vais donner juste l'exemple, d'accord? Oui. Si aujourd'hui vous les médias, vous qui faites comment on appelle des émissions pour le bien du Congo ou pour faire quelque chose pour le pays, d'accord, et vous donnez la possibilité à tout le monde, pourquoi ne pas prendre ces mêmes vidéos mais dans vos YouTube? Nous avons, comme on appelle, Edmond Kayi, nous avons Ziana TV, nous avons aujourd'hui John Lewis. John Lewis, d'ailleurs, le pionnier. Non, non, moi, j'étais parmi les premiers déjà, non? Non, le deuxième, après Bob Ibaka. Ah, OK. Bob Ibaka a commencé, d'accord? Et oui. Le deuxième, c'est toi, d'accord? Et pourquoi aujourd'hui, vous ne prenez pas les vidéos de, comment on appelle, de nos amis diaspora qui mettent les vidéos en ligne dans vos chaînes, d'accord? Parce que nous n'avons pas les moyens de notre politique, doyen, nous ne sommes pas financés. Non, ce que je trouve aberrant, parce que moi j'ai des amis qui m'envoient des vidéos, tiens, ça c'est ma vidéo, ça c'est ma vidéo, ça c'est ma vidéo, oui. Mais tout le monde a un YouTube. Ce qui est déjà, voilà. C'est la pagaille. Oui, je vous comprends. D'accord. Il faut laisser aux hommes ou aux chefs ou encore ceux qui sont qui ont des chaînes, par exemple oui. John Lewis, oui. Ziana TV. Moi je suis pas contre Ziana TV. BBC, Ziana TV, Bob Ibaka ou encore comment on appelle Edmond Kayi. D'accord. Laissons-le de prendre nos vidéos de mettre dans le YouTube. D'accord. Oui. D'accord. Mais tout le monde a YouTube. Tu vois là, bon, je ne vais pas citer les noms. Tu vois là, comment on appelle, Aimé Césaire, il a YouTube. Tu vois là, comment on appelle... Il a 15 vues seulement. Et voilà. Jacques Messrine a un YouTube. Doyen, on va avancer. C'est déjà une suggestion, on va regarder la question. Il y a un autre auditeur, Moine Yensengu Iputu. N'y a-t-il pas un code minier au Congo qui réglemente l'exploitation des ressources minières comme le pétrole? Si oui, quelles sanctions sont prévues pour les pollueurs comme Eni? Mais il a répondu à la question, je crois, non? Mais je reprends encore à ce jeune-là. Tant que le pétrole est bradé, tant que ceux qui sont au pouvoir ne font pas attention à l'écologie, parce que Sassou, aujourd'hui, on a vu COP25, non? COP25, oui. C'était juste pour venir voir sa nièce parce qu'elle était mourante. Mais elle n'avait pas besoin d'aller ou encore à Real Madrid pour se faire un nom Sassou au Real Madrid. C'est bien si on lui donnait le numéro 10 ou je ne sais pas, on lui fait courir au moins deux fois le terrain, mais il ne pouvait pas. Et j'ai vu le commentaire, voilà, une fois il a chuté un ballon, il a dit, ah, voilà, il est en forme. Tous les comment on appelle, les gens qui gouvernent aujourd'hui sont pourris. On ne connaît même pas combien de tonnes de pétrole est extrait et ou encore de tonnage
des tankers qui viennent chercher le pétrole. On ne connaît pas. Si aujourd'hui, je vous pose la même question, est-ce que ça fait combien de litres par jour ou de tonnes par jour sorties du pétrole congolais? Personne ne sait. La marine n'est pas là, personne ne contrôle personne. Sassou, il est là, il est content. Et si on paye le fonctionnaire, s'il a de l'argent pour son bien-être, eh bien, il s'en fout, le reste, il s'en fout. Il va faire quoi? Allez, prenez tout, moi, ce que je veux, c'est le pétrole. On a trouvé le pétrole devant chez lui, non? Un million de barils par jour, d'accord? Et c'est un pétrole terrestre. En plus, un pétrole terrestre, il est encore plus polluant que l'un terrestre maritime. Parce que le pétrole qui vient de la mer est dilué en fur et à mesure. Mais Djeno, regarde, Djeno aujourd'hui, les habitants de Djeno aujourd'hui, ils sont tous malades. Oui. Alors les particules là viennent de loin, mais ils sont tous malades. Mais le pétrole terrestre là, mais ça sert à sa fin de monde aussi, ça sert à une destruction. C'est bien aussi que c'est pas loin de Oyo. Et puis comme ça, le pétrole va envahir jusqu'à chez lui. Voilà. Charles Alexandre, sur la Libye, Sassou cherche une visibilité. Vous l'avez déjà dit. Salut donc à Fortuné en part. Oh, brave militant. Salut à Joséphine Bantimba. Salut, doyen Albert Mbella. Michel Floria, salut. Fifon Alexander. Oh, difficile à dire ça. Joe Curtis, salut. Christian Noangombe, salut. Nantes Kenge, Batantum Fumu, voilà, Olga. Mitoto et je crois que Serge Bizet lui-même est connecté quelque part. C'est très bien. Alors, ce qu'il ne faut pas réécouter l'émission sur le lien. Doyen, nous allons donc avancer pour aborder d'autres questions importantes. Je vais regarder. Il est exactement 13h29 à Chicago. Vous pouvez poser vos questions par écrit. Aujourd'hui, nous ne donnons pas la parole. Ce n'est pas la parole de la communauté. Donc, si vous voulez passer à l'émission, donc faites-le par écrit. Nous ne vous donnerons pas l'opportunité d'intervenir sur vidéo. Alors, doyen, nous avons le problème de la justice au Congo-Brazzaville. Justice, dirait-on, ou prouvée, justice peut-être à deux vitesses, où il n'y a pratiquement pas de justice, ou justice au service du pouvoir. Est-ce que, revenons un peu sur l'histoire des prisonniers, de l'incarcération de Moukoko, et de tous ceux qui entourent. Il y a même des prisonniers, je sais, politiques qui ont déjà été libérés, mais pourquoi les Okombi sont si ils sont toujours? Est-ce que vous avez quelques secrets là-dessus? Pourquoi on les garde toujours? Et j'ai entendu quelqu'un dire, mais c'est parce que on en a fait écho et le président était prêt à les libérer. Est-ce que vous croyez que ces arguments sont sérieux? Moi, je dirais, comment on appelle une chose, c'est que Sassou n'est pas prêt à libérer les gens qui lui font barrage, comme le général Moukoko ou Okomi Salissa. Parce qu'il sait effectivement que le jeu qui va libérer Okomi Salissa ou le général Moukoko, ben, c'est fini pour lui. D'accord? Oui. Donc, il faut les mettre en prison pour les mater et jusqu'au moment où il sait que c'est fini, il prendra toute sa famille, il va mettre dans l'avion et puis direction à la mairie du Sud. C'est leur plan. Ah. Elle est s'installer là-bas. Pour eux, c'est la mairie du Sud, aller là-bas. Et je peux même un jour déterminer le pays. Donne-moi juste 2 jours et puis je te dirai le pays où ils vont aller. Ils vont partir. C'est-à-dire qu'en ce net moment, ils sont en train d'arranger tout, faisant semblant qu'ils vont se présenter aux élections présidentielles. En fait, quand Sassou se prépare pour quitter le pays. Ça, c'est une... c'est number two ou number three? Oh non, number two. Number three. Donc, vous dites au journal La Communauté que Denis Sassou Nguesso est dans le processus de faire ses valises. De tout. Est-ce que, à ce moment-là, est-ce que ces tournées-là ont un sens même? Est-ce qu'il doit aller. Non, lui, il a envie d'aller dans la Sangha, il doit aller. Déjà, les petits-enfants sont à l'étranger. Ça, vous devez le connaître. Les petits-enfants sont à l'étranger, et il y a déjà, comme on appelle, des transactions qui se passent. Et un jour, ils vont partir vivre à l'étranger, mais où? En Amérique du Sud, au moins pour les derniers jours qui leur restent.
Ils ne vont pas rester à vivre. Ils ne peuvent pas vivre en France parce que s'ils vivent en France, ils seront toujours condamnés. Les Ils vont rumeurs aller disent même qu'ils ont beaucoup d'affaires déjà là-bas. en Amérique du Sud. Oui. Bon, si on prend par exemple Venezuela, ça te dit quelque chose? C'est Parce Maduro qu'on là-bas. parle. Hein? Chez Maduro, c'est la nuit noire. Personne ne contrôle rien là. Mais personne ne contrôle Maduro. Ou personne ne contrôle ce pays. Même aujourd'hui, les États-Unis, vous, là où vous êtes là-bas, ils sont incapables d'attaquer parce qu'il y a les Russes qui sont venus. Alors, doyen, nous nous séparions il y a quelques années, je ne sais pas, la dernière fois que vous êtes passé, il y a peut-être 2 ans, sur une révélation qui concerne votre ami Dabira. Pensiez-vous, Dabira, vous vouliez me dire quelque chose à l'époque? Oui, mais je garde secret pour l'instant. Je ne veux pas le dire, mais je ne veux pas le dire pour l'instant. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut garder parce que Oui. c'est des personnes que j'ai côtoyées. C'est une personne que je connais très bien. J'étais avec le bâton parrain avant qu'on fonde la marine. Donc, c'est une personne que. Ah, c'est un ami. Voilà, pour le dire. Voilà, nous abordons le dossier social maintenant à Brazza. Nous pourrons faire des va-et-vient, il n'y a pas de problème. Alors parlons du problème des retraites. Je crois que je le serai peut-être dans quelques années, moi-même aussi. Alors, vous l'êtes, hein? Vous êtes retraité ou vous avez carrément perdu toute écriture là-bas? Bon, déjà pour donner l'info, c'est qu'ils ont payé, comme on appelle, un mois de retraite, ceux qui sortent de l'armée, de 1995, hein, à 2000 maintenant. Okay? Oui. Donc, voilà ces années-là, ils ont payé un mois. Tout ça, c'est pour les militaires et De quelquefois. 95 à 2000. Oui. Oh. Voilà, ils ont payé. Et ça, c'est l'info que je vous donne. Ils ont payé un mois. Donc, le reste d'un mois, il ne faut même pas qu'ils fassent. Tu comprends? Ils oublient complètement. Parce qu'il y a un problème au Congo. C'est que ceux qui ont quitté la fonction publique, peut-être moi, j'en fais partie. Hein? Peut-être j'en fais partie que ma retraite, parce que je ne suis plus actif dans l'armée. Donc, peut-être ma retraite Vous avez déserté, je crois, en ce moment. J'étais Vous envoyé en, comment on appelle, en stage et puis j'ai préféré. Partir. Oui, parce que j'ai trouvé que c'était plus intéressant parce que je n'étais plus là, d'accord. Et j'ai cotisé quand même dans cette armée, d'accord. Oui. Mais qui bénéficie de mon argent? Parce que Sassou, il s'en fout. Sassou, aujourd'hui, c'est un homme qui dit, moi, j'ai pris ma part et vous, si vous voulez prendre votre part, cherchez le moyen pour avoir votre argent. Donc, si bien que les anciens qui sont retraités, qui n'ont jamais revendiqué leur dû, mais ils sont toujours dans la liste. Oui. Donc, si aujourd'hui on trouve que M. Bizet n'a pas eu, par exemple, sa retraite dans l'armée, parce que l'armée, on quitte à moins de 50 ans dans l'armée. Donc, il n'a pas eu sa retraite, qu'est-ce qu'on fait? On récupère cet argent-là et puis on met de la poche. D'accord? Combien d'argent, combien de militaires ont quitté cette armée-là? Beaucoup. Mais ils font toujours partie dans le système de retraite, ils sont toujours là. Mais en fin de compte, ils ne reçoivent pas de l'argent. Oui, Tu mais te parce rends qu'il n'y a compte, que maintenant que 1995. doyen, chaque fois que ces retraites sont ponctionnées à la source, il n'y a que ce ne sont que des écritures. L'argent n'est jamais viré dans ces caisses-là pour Non, payer. non, non, l'argent est viré, ils récupèrent cet argent. Moi, Ah bon? John Lewis, tu étais fonctionnaire, d'accord? Et Oui. on sait que tu es à l'étranger, d'accord? Et qu'est-ce que je vais faire? Moi, je te connais. Et je dis, bon, John Lewis n'est plus là, mais je mets sa retraite en marche. Et je récupère ton argent. Sassou Oui. ne contrôle rien. Sassou n'a jamais contrôlé quelque chose. Si bien que c'est vrai qu'il y a un moment où on dit, Sassou, tu es le fautif. Parce qu'il ne contrôle personne. Pour lui, c'est sauvegarder son pouvoir, sa famille, son clan, c'est tout. Le reste, il s'en fout complètement. Tu vois, avec tout ce qui se passe au Congo, moi, j'ai un ami. Je dirais un frère. Je dirais un petit frère. Qui vient du Congo. C'est un homme du pouvoir. Je te dis aujourd'hui. Tu comprends? Il m'a appelé, il m'a dit, grand frère, je suis là. Je suis venu, je vais te voir. J'ai répondu, ok, d'accord. Et j'ai eu une conversation avec lui au téléphone. Il m'a dit, si, si.
C'est un homme bien placé. D'accord? Je ne vais pas dire où est-ce qu'il travaille, parce que c'est des gens quand même qui donnent des informations. D'accord? Oui. Il m'a dit ceci, ah, grand frère, tu as raison. Dès que tu sors de Brazzaville, même à Brazzaville, même, il y a des gens qui souffrent vraiment, c'est malheureux. Et les petites filles qui se prostituent pour avoir ramené l'argent chez les, comment on appelle, chez les parents. Les gens souffrent, les gens souffrent. J'ai jamais vu ça. Des fois, même quand je vois ça, je pleure. Mais je suis dans le système. Que veux-tu que je fasse? Je dis, mais c'est ta conscience. C'est un gars du Nord. C'est un gars d'Oyo. Mais c'est mon petit ici. Tu comprends? Donc, c'est des gens qui me donnent des infos. Mais je ne peux pas dire où est-ce qu'ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font et tout. Non. Il n'y a pas de problème. Doyen, on va avancer. Doyen, il nous reste peut-être une trentaine de minutes, hein. Voilà, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que ça a toujours été long. Ce n'est pas la première fois. Donc, vous pouvez déjà prendre un café, peut-être un verre d'eau. Tous ceux qui nous suivent, parce Bah, que il faut lancer, comment on appelle, une chanson doivent glorieuse, je ne sais pas éviter, quoi. pour éviter les signes de fatigue, hein, doyen. Voilà. Donc, nous sommes là, joindre la communauté avec Dean Lewis. Où il est exactement? Il est quelle heure là déjà, doyen? 13h38 minutes à Chicago. Nous serons de retour sur cette antenne dans quelques instants avec le doyen Serge Bizet de UK. Nous parlons maintenant des retraites des fonctionnaires réguliers et des bourses des étudiants. D'accord. Donc, je peux aller Voilà prendre donc un verre Serge d'eau? Bizet. Allez-y. Merci. Je peux aller prendre un verre d'eau? Oui, allez-y Serge Bizet, allez-y. Oui, parce que j'ai oublié de ramener de l'eau ici. Donc, je Voilà, vais prendre donc un mon verre d'eau. invité doit aller prendre un verre d'eau. Allez-y, vous avez 40 secondes pour le faire, ça va? Oui, d'accord. Merci. C'est gentil. Juste une seconde. Allez-y. Restez connectés le temps que notre invité revienne sur cette antenne. Invité joint à la communauté de Jean Louis Serge Bizet depuis le UK. Nous abordons dans quelques instants la question des retraites de fonctionnaires réguliers, des retraites et des bourses des étudiants. Il nous reste encore plus de 30 à 40 minutes à passer ensemble. Merci de votre fidélité à Congo Live 11, la radio de la communauté. Voilà, donc merci donc une fois de plus d'être connecté sur Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté. Nous avons donc cette interview de Serge Bizet qui a promis donc faire la lumière sur tous les problèmes que nous avons au niveau de la diaspora, au niveau de la communauté congolaise. Et dans quelques instants, nous abordons la question cruciale des bourses d'étudiants. Nous aborderons également la question du CHU sur les faux diplômes, sur le détournement des fonds et bien d'autres questions. Mais attention, attention, il y a un grand dossier qui nous arrive donc vers la fin de ce direct. Je garde le secret pour l'instant avant qu'il n'arrive. Et restez connectés, chers amis, ne quittez pas. Je vais voir si nous avons des amis connectés sur ce plateau. Ceux qui sont connectés, donc bien sûr, attendez, je vais regarder sur ce lien. Et vous avez la possibilité de poser des questions succinctes. Nous n'avons pas assez de temps pour nous étendre sur des développements. Alors, un doublon informatique. Bon, je ne comprends pas ce que vous voulez dire, mon cher Ngombé, la bataille du tombeau. Alors, soyez plus précis quand vous réagissez. Le cimetière familial a resté abandonné. Bon, je n'en sais rien. Alors, soyez plus précis dans vos formulations pour permettre à moi-même et à mon invité de vous suivre. Alors, je rappelle aussi que je vais regarder qu'est-ce que nous avions. Voilà. Voilà, je crois qu'il sera de retour déjà dans quelques secondes. Alors, Serge Bizet, est-ce que vous êtes là, Serge Bizet? Bon, je crois qu'il n'est pas encore prêt. Le temps qu'il arrive, nous allons essayer de voir. Voilà, il est revenu. Merci. Donc, Je m'excuse, j'ai peut-être pris 2 ou 3 minutes. absolument, c'était moins d'une minute, Serge Bizet. Merci donc Ah, c'est bien. de revenir
ce direct fleuve, bien sûr. J'ai donc demandé aux auditeurs de eux aussi de faire la même chose. Alors, Serge, nous allons aborder la question cruciale des bourses des étudiants, mais aussi des autres fonctionnaires à la retraite et du CHU. Bah oui, quand vous voyez un pays qui n'a même pas de système de santé, c'est qu'il y a un gros, gros souci à se faire. Hein? Les gens meurent tout le temps dans les hôpitaux. Que ce soit... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, ils ont construit l'hôpital à Oyo, parce que cet hôpital, c'est un hôpital neuf. On devait quand même recevoir les malades qui souffrent. Parce que c'était dans le cadre des projets accélérés de... Ah, ça m'intéresse, ça, comme tu me poses cette question. Ouais, la municipalité accélérée. Municipalisation accélérée de... Municipalisation accélérée, voilà, c'est ça. Mais ça a été c'était un défaut ou c'était encore une grosse faute. Pourquoi? Parce que ils ont plutôt accéléré, comme on appelle dans son fief de Yo, parce qu'ils ont quand même bénéficié de refaire la tombe de ses parents. Ils ont quand même bénéficié d'avoir une église. Ils ont quand même bénéficié d'avoir une église, l'hôpital, et aussi le port. D'accord? Et son palais qui a été beaucoup plus agrandi. Donc, je pense que c'était bénéfique pour lui, mais malheureusement, pour les autres, non. C'est dommage. Voilà. Doyen, sur la question... Donc, je parlais des hôpitaux. Je voulais parler des hôpitaux. Oui. On a vu d'ailleurs aujourd'hui l'argent qui a été versé par le Fonds monétaire international. Cet argent est arrivé au Canada. Je crois que Bernard Pomu connaît la source où est cet argent parce qu'il est là. Il en parle souvent, oui. Il est dans ce pays-là. Il devait faire des enquêtes. Comment cet argent est arrivé là-bas et il n'est jamais retourné à Brazzaville pour acheter quoi? En fin de compte, c'était pourquoi cet argent est arrivé là pour acheter des appareils au Canada et les faire partir à Brazzaville. Oui. Malheureusement, en ce moment, ils se posent la question, est-ce que c'est le moment de faire partir ou pas? Et cet argent, une bonne partie de cet argent a disparu. Je te donne les fonds. Donc, vous dites que les fonds dont on parlait, c'est-à-dire pour lesquels on croyait qu'ils avaient été détournés, en fait, ont servi à acheter des équipements pour le CHU? Non, cet argent a été envoyé et qui est parti donc au Canada. Oui. Avec un minuscule petit bureau qui devait, gérer des achats pour acheter tout ce qu'il fallait pour l'hôpital général. Oui. Oui. Mais malheureusement, cet argent, une bonne partie a disparu. Alors, on parle ici. Une bonne partie d'argent a été virée encore. Donc, en ce moment, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il faut acheter avec le reste. Je donne l'info à Bernard Pogui, il n'a qu'à... Il avait déjà commencé à en parler. Il est actif, il est juste à côté et je pense qu'il te donnera plus d'infos que moi. Alors, ceux qui nous écoutent, ils sont nombreux à nous suivre. Que devient cet argent viré pour l'achat des équipements du CHU? Mais Doyen, il y a un autre problème, c'est que le Canadien qui avait été nommé, a-t-on appris, était en train de faire une toilette là-bas pour essayer de voir qui retenir, qui mettre dehors, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'il avait tout le monde là-bas, ceux qu'on appelle les fameux Nganfumbu et autres, donc ceux que vous connaissez, et nous avions des médecins vétérinaires, dit-on, et qui ont été recrutés et qui évoluent au CHU depuis plusieurs années et qui ont été à l'origine de beaucoup de décès. Donc, on a aussi expliqué les performances du CHU à partir justement de ces faux cadres qui n'étaient pas en principe... de cette structure, mais qu'on a recruté et qui ont certainement eu un petit recyclage pour devenir, par exemple, des chirurgiens. C'est scandaleux, cela, doyen. Alors, mon cousin, je demande mes excuses, il est juste à Londres, mon cousin. Il a fait vétérinaire en URSS, d'accord? Docteur vétérinaire en oui. URSS. Oui. Et si une histoire vraie, parce qu'il va m'écouter, de toutes les façons, il est dans mon Facebook, il m'écoute. Il est juste à Londres, moi je suis à Manchester. Le jour quand ton père a appris que ton fils arrive, il était content. Ah, je suis sauvé, au moins il va m'aider. D'accord? Oui. Si une histoire vraie,
Il arrive au Congo avec son diplôme de vétérinaire dans la poche. Son père est gravement malade, son père était heureux. Qu'au moins, il se fasse soigner par son fils. D'accord? Et Oui. le jour qu'il annonçait que, papa, j'ai quelque chose à te dire. Je ne peux rien faire pour toi parce que j'ai fait autre chose. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Plus années d'abord pour faire quoi? Il dit, je suis docteur vétérinaire. Tu sais que le père est mort sur place, cardiaque. Parce que ça, doyen, ça me rappelle une histoire de Kabandudi, hein, un comédien congolais, nous a raconté une histoire de ce genre où il demande à l'enfant, tu es docteur d'où? Est-ce que tu soignes quoi? Et quand le fils lui dit, papa, moi je soigne les animaux. Oh, scandale, tu soignes les chiens, les tabacs et autres. Oh, mais j'ai gaspillé mon argent pour tes études. C'est une histoire vraie dans ma famille. Mon propre cousin, il est à Londres. D'accord? Il a fait docteur vétérinaire, comme on appelle en URSS. Malheureusement, son père, il est mort subitement d'un choc émotionnel. Voilà. Voilà, donc Donc, il y a des gens comme ça qui sont dans les hôpitaux. Il n'y a pas seulement le, comment on appelle, l'hôpital, comment on appelle, général. Il y en a beaucoup. est-ce que vous pensez que ce nettoyage-là sera fait parce qu'on entend qu'il y a des pressions sur le monsieur, notamment sur celui qu'ils ont appelé pour les aider justement à redresser la C'est structure? aussi aider aussi le Canadien en question, parce que c'est au Canadien en question, on l'a viré, c'est l'argent, donc c'est lui qui devait gérer cet argent. Quand on s'est rendu compte effectivement que cet argent, une bonne partie a disparu, alors il vient sur les faux médecins. Comment tu vas prendre un service? Ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait plus d'un an. Comment Oui. tu vas prendre le service en marche avant qu'on te vide de l'argent? Tu ne sais même pas qui est médecin, qui n'est pas médecin, qui est cardiologue, qui n'est pas cardiologue. Comment tu le sais? Comment tu ne peux pas voir tous ces médecins-là et tu prends un service? Le rôle d'un directeur d'un hôpital, moi, Kader était, mon oncle, était directeur de l'hôpital général à Brazzaville. D'accord? Et après, il a fini par Assisi. Donc, il devait réunir tous les blocs, enfin, tous les services. Donc, à partir de ce moment-là, on connaît qui est médecin, qui est infirmier, qui est sage-femme, qui est machin. Tu comprends? Mais tu connais pas, tu prends le pouvoir et tu prends le poste. Et le jour quand tu veux de l'argent, c'est là que tu vois, ah ben oui, l'autre était vétérinaire. Alors, doyen, sur la question de l'argent, Bernard Pongui vient de réagir. Il dit qu'il est en train de travailler sur le dossier. Ah, Son c'est bien. Et tu lui système veut dis, vitrer. tu transmets un bonjour de ma part, un Voilà, bonsoir. salut à Bernard Pongui, salut également à Loufoua Luankandi qui. Loufoua Lankandé, bonsoir et bonjour. Bonsoir, oui, Voilà, bonsoir. qui suit l'émission. Alors, doyen, nous allons bientôt nous séparer, mais nous avons encore d'autres dossiers que j'ai prévus pour vous. Donc, vous aurez une petite surprise à la fin de cette émission, je crois. C'est possible. J'ai donc nous avons vous n'avez pas suffisamment vous n'avez pas parlé des enfants, notamment des bourses des étudiants Non, mais parce que et même des bourses des enfants. j'attendais effectivement qu'on pose la retraite et les étudiants. Bon, les étudiants, c'est vrai, la retraite, les gens de 1995, hein, non, 2015, donc, pardon, je rectifie, 2015, ils ont été payés le mois passé, d'accord? Oui. Donc 2020, d'accord? Ils ont été payés un mois. Ça, quelques retraités, ce n'est pas tous, d'accord? Les étudiants, jusqu'à présent, ils n'ont rien, que dalle. Moi, je connais des amis. Attends. Voilà. Ça, c'est quoi? À Western Union. Je n'ai jamais montré mes exploits. Western Union, d'accord? OK. Je l'ai fait aujourd'hui pour un étudiant qui est au Maroc. Je l'ai fait aujourd'hui. Je peux te montrer d'autres. N'y a pas de problème, c'est suffisant, Non, doyen. c'est un jeune Congolais qui a des difficultés pour payer son loyer. Je suis obligé de l'aider. Oui, ça Et je nous l'ai fait arrive plutôt. autant de fois. J'ai fait autant de fois. Je peux te montrer des tonnes, des tonnes de Western Union. J'ai toujours aidé ces gens-là. Mais j'ai dit, si vous êtes chef d'entreprise, donc vous êtes votre propre fonds de commerce. Et maintenant que ça ne marche, vous n'êtes pas chef d'entreprise, vous êtes étudiant. Alors faites de tout que ce type-là puisse partir, quel que soit le moyen. Parce que ce type-là a bloqué tout. Le Congolais, les jeunes, les petits Congolais, là, les jeunes Congolais, hein, ils pouvaient faire les études, repartir dans leur pays,
Oui. 4 millions d'habitants, mais c'est rien par rapport à la richesse. Le Congo est riche, archi riche. Oui. Les gens ne savent même pas le potentiel de comment on appelle l'argent que le Congo peut avoir. Comme vous avez Christelle, par exemple, Christelle Denil. Hein? Vous avez parlé de la fille de comment on appelle d'Angola, de Santos. Cette fille-là, 1 milliard. Mais Kiki ne pèse pas 1 milliard. Kiki, je vais vous donner aujourd'hui l'info, il pèse 8 millions. 8 milliards. 8 milliards de De d'euros, dollars, de US. dollars. Oui. Je te donne l'info aujourd'hui, il pèse 8 milliards de dollars. Ça, c'est l'argent qui est bloqué, qui est, comment on appelle, à Hong Kong. Je ne voulais pas te le dire, j'ai dit aujourd'hui, parce que nous avons les sources ici. Alors, 8 voilà. milliards. Donc, selon aujourd'hui la communauté, Serge Bizet déclare qu'effectivement, selon des sources sûres, il 100% sûr. Je peux montrer les documents. 8 milliards, il a à Hong Kong. Il a eu une fortune, c'est une fortune volée en fait. Mais Il attends, attends, perd attends, attends. Il a 34 ans, 34 ans. Où est-ce qu'il allait avoir cet argent s'il était... Moi, il y a trois familles que je peux respecter au Congo. Alors, Ebila, Bouyo et Tiétié. voilà. Et Parce que peut-être c'est... Sapi, Sapi aussi. Sapi. Pardon? Sapi, vous l'avez connu, il était à Pointe-Noire. Oui, mais ça, c'est... Bon, ça, c'est... C'est pas vraiment la famille dans le temps où il y avait des milliards, d'accord? Mais Tapi et puis son petit frère, je sais. Alors, le on va avancer. S'agissant des œuvres caritatives que vous faites, notamment des dons aux étudiants, est-ce que vous ne pouvez pas le faire dans un cadre plus élargi d'une chaîne de solidarité, par exemple, créer une structure pour le faire? Il y a une chose qui est vraie, c'est que mon fils en pilote dans French Air Force. Et j'ai croisé d'ailleurs il y a 2 semaines. Il est venu me voir. Il m'a dit, papa, est-ce que tu as besoin d'argent? Tu comprends? J'ai dit, j'ai pas besoin d'argent. Est-ce que tu en as besoin? Il me dit, mais pourquoi tu me demandes si j'en ai besoin? J'ai dit, si tu as besoin d'argent, tu donnes. Tu comprends? Oui. Je gagne pas bien ma vie, mais je gagne quand même suffisamment pour essayer de. Si je peux aider, je peux aider. J'ai toujours fait. Je te jure, je n'ai jamais eu un moment où quand on me demande un service, de dire non. Je dis attends, mais peut-être une semaine. Et deux fois j'oublie et puis la personne me relance et dit ah, j'ai complètement oublié. J'ai toujours fait. Et je pense que en ce net moment, j'ai pris ma décision. C'est beaucoup aider les indignés. Parce qu'ils font un travail magnifique que j'admire Oui, beaucoup. oui. Il faut les aider. OK. Oui. Mais celui qui a. Je ne suis pas vantardiste, je ne peux pas dire j'ai aidé un tel ou j'ai fait ceci ou j'ai donné. Comment on appelle ça? Des pierres précieuses. J'en ai eu des pierres précieuses, j'ai donné à mes amis. Voilà, donc faites comme Serge Bizet, faites des dons. Solidarité oblige, chers amis. Alors, Serge Bizet, nous avons... Donc, nous parlions il y a quelques minutes de l'affaire du clan, notamment de ceux qu'ils ont, je n'irai pas thésaurisé, de ceux qu'ils ont volé et épargné quelque part. Alors, doyen, vous avez également la sœur de M. Christel aussi qui est impliquée dans ce scandale. 5 milliards de comment on appelle 5 milliards de dollars. 5 milliards 5 US. milliards pour Claudia. Claudia, oui. Alors donc ça fait 5 plus 8, ça fait 13, une bagatelle de 13 milliards de dollars. Et sans compter effectivement comment on appelle Sassou et sa femme et puis le reste, le clan. Je connais tout le monde à tel argent. Je connais. Comment? C'est simple. Alors, doyen, on va essayer un peu d'en rire là. Vous pensez-vous que cet argent est encore le nôtre? Non, bon, prenez l'exemple, par exemple, en France, ils ont dit qu'ils vont, comment on appelle, ils ont mis en En humain examen pour le Kiki, retourner. d'accord. Mais est-ce que vous êtes sûr que pendant que là,
le fils de Sassou est au pouvoir. Je voulais parler de Macron parce que c'est un fils adoptif de Macron. Parce que demain, il doit se présenter parce qu'on ne sait pas que Macron va passer. Il y a un danger de Macron, c'est Marine Le Pen ou encore Mélenchon. Donc le danger est là. Est-ce que vraiment ils vont passer les deux? Ou un de deux va passer? Donc Macron a besoin d'avoir de l'argent du Congo, l'argent frais pour faire la campagne. Oui. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Et moi, je dis, Et ceux qui donc. ont crié victoire, ceux qui ont crié victoire pour, comment on appelle, qu'il est mis en examen, oui, moi, je dis, OK, d'accord. Mais je vous dis, je te dis, et ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas demain que vous verrez qui est en prison. Alors, Et demain, oui. après demain, vous allez voir que ces immeubles sont saisis. Soyons réalistes, d'accord? C'est du cinéma, c'est de. Non, non, c'est un travail bien fait par des indignés. Je trouve ça génial. Les Oui. indignés ont dénoncé, ils ont montré les maisons et tout. Mais j'ai dit une chose, pour l'instant, il n'y a rien. Parce que j'ai beaucoup de nouvelles de un peu partout. Oui. Tu sais où est-ce que je travaille, donc je suis informé. Absolument, vous avez Oui. raison. Et Global Witness est juste à côté de chez moi ici, hein, Oui, juste à le côté. fameux scandale tout Et je récent. connais les gens qui sont là. Et lesquels qui. C'est vrai, quand on parle de la diaspora française, elle est active, d'accord. Mais Alors, anglaise, n'oubliez pas la diaspora anglaise, hein. Tout est ici, hein. doyen, doit-on donc dire que tout ce dont on parle, c'est-à-dire l'affaire des comptes cachés, tout, dire que les Macron et autres en savent que. Mais bien sûr. Bien sûr. Macron, il sait. Macron, au début, il voulait prendre des distances, d'accord. S'il n'y avait pas le Drian, Macron ne serait pas bien avec Sassou. Oui. Mais le Drian a dit, bon, écoute, moi, du passé, c'est lui, j'arrive au centre, d'accord. Oui. Et toi, tu es jeune, c'est un homme d'affaires, tu es un banquier, on peut faire quelque chose ensemble. On peut y perdurer. Parce que le Drian, lui, quand il est fâché, c'est 20 cigarettes qu'il fume, d'accord. Oui. Mais quand il est très fâché, c'est 40 cigarettes qu'il fume. Donc, bon, quand il est pour moins fumer, quoi, il va jusqu'à Ouyo pour prendre la mallette d'argent. D'accord? Il prend. Dati est allé combien de fois à Ouyo pour C'est prendre la qui? mallette d'argent? C'est qui ça? Ben, la petite Algérienne qui ne connaît même pas le père de son enfant. Et il a failli donner le père de son enfant à Sarkozy, mais Sarkozy est déjà marié. Donc, voilà. Alors, doyen, nous allons, il nous reste deux questions à aborder dans ce journal de la communauté, exactement 14 h à Chicago. Alors, doyen, nous avons l'affaire de ces fameux, comment vous les appelez, travaux dont on parlait, donc de M. Jean-Jacques Bouya. Nous venons d'apprendre qu'effectivement, à Pointe-Noire, la Chine a décidé de ne plus préfinancer ses travaux de construction. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi le fait que tout ce qui a été construit ne fait que s'écrouler, s'est écroulé, et donc nous repartons à la case départ avec une lourde ardoise vis-à-vis des Chinois. Ben parce que, comment on appelle le Congolais, le gouvernement congolais a demandé d'avoir des prêts, a encore demandé de l'argent auprès des Chinois. Il m'a dit, mais prenez chez Bouya. Parce que Bouya, j'ai dit aujourd'hui, Bouya dans son compte en Chine, c'est plus de 15 milliards. 15 milliards, Bouya. Oui, US. 15 milliards de dollars pour Bouya, 15 milliards de dollars, 8 US. milliards pour Claudia et 13, je crois, c'est cela? Pour, non, non, c'était, non, c'était 8, Non, 8. le total, tout le dire. Le total, hein? 13, le total, les frères, non. Et donc, Bouya. Mais Bouya, on demande à Bouya, comme on demande à l'État, comme on appelle, enfin, chez les Chinois, de donner l'argent. Et ben, on demande aux Congolais, mais demandez à Bouya, il a plus que ce que vous demandez. Ben on dit que c'est un figurant, on n'en veut pas. La preuve, c'est que, bon, parlons par exemple des travaux de la corniche, qui. Le travail de la Oui, corniche. je n'ai Attends. pas fini, les travaux Non, qui moi j'ai vu, nécessitaient à. il y a un monsieur qui a dit comment le pont de Dieu a été construit depuis des Oui, années, mais et qui n'a jamais été détruit. Et Oui. comment se fait-il qu'un pont qui est construit à peine même pas 4 ans ait été détruit? Mais attends, c'est simple. Quels sont les matériaux qui ont été utilisés dans ce truc-là, ce pont-là?
Moi, je prendrais général Keteka, je ne sais pas s'il est en ligne, j'en sais rien. Je prendrais général Keteka, tu l'envoies là-bas, il est ingénieur. Il Ah fera mieux. Parce qu'il construit les routes, comment on appelle, c'est pas lui qui construit, mais il fait partie des gens qui construisent les routes, ou comment on appelle en Allemagne. Qu'on le veuille ou pas, en Europe ici, les meilleures routes sont les routes allemandes, où il n'y a même pas de limitation de vitesse. Parce que les routes sont sûres. Mais si tu envoies comment on appelle, Keteka, pas le général, mais Keteka tout simplement, ingénieur, ben, il va te construire 1000 ponts. Il va te construire la corniche au moins 10 fois. Comment ça fait-il que vous avez aujourd'hui, vous n'êtes pas, comment on appelle, vous donnez, vous avez bouilli à une société. D'accord? Et cette société-là fait louer, comment on appelle, mais ça se connaît tout. Il fait louer cette société en sous-traitance. Et les Chinois travaillent en sous-traitance chez Bouya. Et quand il y a les dégâts, ils se tournent à quoi? Mais vous qui avez construit. Mais lui, il n'est plus responsable du tout. Moi, je pense que si Sassou n'était pas complice de tout ce qui se passe au Et Congo, voilà, c'était ma oui. question, doyen. C'était celle-là la question, parce qu'on croit que Bouya, en fait, n'est qu'un figurant. Mais oui, bah, attends, c'est le neveu quand même de Sassou. Parce que quand on parle de l'argent de Bouya, ce qui est connu, d'accord? Mais il y a de l'argent aussi là-dedans qui appartient à Sassou. Parce que Oui? Sassou, on sait effectivement qu'il ne peut plus mettre son argent. Si vous voulez chercher l'argent de Sassou, allez chez, comment on appelle, la fille qui est aux États-Unis, là, j'ai oublié le nom encore. La petite, là. Une Sassou aussi, là, qui a un loge. Comment on appelle? J'ai oublié son prénom. Bon, ça va me revenir peut-être le prénom. Je pense que les Oui. auditeurs reconnaissent. Allô? Oui. Et comment on appelle Sassou, il a mis de l'argent sur la petite qui est aux États-Unis, qui a un loge, là, qui a, comment on appelle, un hôtel particulier. Et Sassou a mis de l'argent sur, comment on appelle, une bonne partie chez, comment on appelle, son fils Kiki. Oui. Et une bonne partie par un Portugais, un Angolais. Et puis, comment on appelle, je donnerai ces noms-là, il n'y a pas de problème. Je donnerai tous ces noms. Voilà. Et tout cet argent est là, donc on s'en fout. De L'Angolais, tout cet argent du Congo, de tout cet argent du Congo, ça va au moins de 285 milliards. le total. Le total, depuis qu'ils ont commencé à voler, 285 milliards. Mais ce pays aujourd'hui, le Congo, il serait un pays mieux que l'Arabie, comment on appelle, Dubaï. Ce serait mieux. Mais malheureusement, ils ont détruit le pays. C'est des arnaqueurs, c'est des voleurs. Voilà. Voilà, nous sommes donc, nous allons bientôt nous séparer, doyen. Est-ce que nous pouvons maintenant aborder une question sensible, celle de la paix dans le Pool en général et la paix au Congo en général, doyen. Nous parlons de la question du dialogue. On sait que et nous abordons également pour nous séparer cette notre connexe, celle de la diaspora. Alors, qu'en est-il de la paix d'abord dans le Pool? Est-ce que vous avez des informations, doyen, sur cette question? D'abord, je salue mes, comment on appelle, mes frères et sœurs qui sont dans le pôle. Parce que c'est un département que j'ai au cœur. Je ne sais pas si tu as suivi la maman qui pleure. La maman qui dit, si vous trouvez que ce n'est pas notre pays, vous Oui, n'avez que nous déloger. indiquez-nous. Indiquez-nous où aller et on ira y vivre là-bas parce qu'on souffre. On a été violé, martyrisé. Et il y a un silence complet chez Sassou. D'abord, de un, moi, ce que je souhaiterais, est que le Pool a trop souffert par rapport à d'autres départements. C'est vrai que dans le Nord, il y a eu aussi des dégâts. Mais Sassou, avant de parler du dialogue, je pense que la meilleure chose que c'était, c'est demander pardon à ces femmes, à ces enfants qui ont reçu des balles, qui ont été violées. J'ai ma genou. On a vu le président, comme on appelle l'ancien président centrafricain, se mettre à genoux, demander pardon à la nation et demander pardon, non seulement au président, mais à la nation. Sassou, s'il était courageux, il pouvait le faire.
je demande pardon pour ce que j'ai fait et le mal que j'ai fait dans ce département. Et je pense que Allez-y, Serge Bizet. oui, je pense que ce serait la meilleure Oui. solution et aussi dédommager toutes ces familles parce que les gens ont souffert, les femmes ont été violées, martyrisées, les enfants ont reçu des balles. Ok, je vous appelle dans quelques instants. Donc, c'est triste de voir aujourd'hui dans les forêts des crânes. Et je dirais aussi, c'est quand même triste parce que aujourd'hui, si on va avec le général Kitteka pour Oui. chercher sa famille, on ne pourra pas trouver. Donc, des gens comme le général Kitteka, par exemple, je prends l'exemple, pour faire un deuil, il faut qu'il aille sur place. Et il faut qu'il ait un pardon de Sassou. Tant qu'il n'y aura pas le pardon de Sassou, il ne pourra rien faire. Parce que le peuple, comme on l'appelle du Sud, est très rebelle et très rancunier. Parce qu'ils sont rancuniers par rapport à le bal que Sassou est en train de faire, diviser le pays, une scission du pays. On a vu d'ailleurs qu'est-ce que c'est le Nord ou le Sud, alors que moi, de mon temps, où j'étais au Congo, je ne voyais pas où était le Nord, où était le Sud, parce que la plupart de mes amis étaient du Nord. Oui. C'est quand même triste aujourd'hui qu'on soit séparés. Moi, je dis, si un jour, parce que j'entends par exemple les gens dire, un jour on va prendre le pouvoir, celui qui a été condamné pour un problème politique, d'accord, celui-là sera pardonné. Mais celui qui a été violent, que ce soit auprès de sa femme, qui a fait de la prison, ou qui a été, non, il n'est plus dans la société légitime. Non, il faut l'écarter de la société. Donc, tous les crimes de sang ne Crime de seront jamais sang tolérés. ou de, comment on appelle, où tu as été en prison. Non, il faut l'écarter. Ça, il faut donner l'exemple au pays. Il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Tu as été en prison pour des raisons politiques? Oui. Tu as été en prison pour un crime. Tu as tapé ta femme. Tu as violé ta femme. Tu as violé les gens. Tu as violé un enfant. Ça, tu es un criminel. Tu feras plus partie. Tu es banni à jamais. Il faudrait demain que la société congolaise puisse changer. Il faudrait mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Parce Alors, que le poule aujourd'hui, parce que pour en finir, il y a un monsieur qui m'a écrit, qui m'a dit, ah, mais on a vu, Tumi va être président de la République. Ben, écoute, est-ce que Ntumi, c'est un Congolais? oui. Ntumi, si c'est un Congolais, il a droit de faire ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, à mon idée à moi, et que ce n'est pas le moment de se présenter aux élections présidentielles, il ne faut même pas en avoir, il ne faut même pas y penser. Parce que Sassou est en train de se préparer pour tricher encore les élections, ce sera encore pire qu'avant. J'ai vu et j'ai entendu un gars venant du pays, comme j'ai dit tout à l'heure, qui m'a dit, ils sont en train de chercher quel est le moyen. Et on est aujourd'hui humilié par tous les pays, hein, que ce soit au Sénégal, au Togo, au Mali, au Bénin, on est humilié. Le Congolais, ce n'est plus le Congo d'hier. On trouve ça vraiment méchant que un type qui est là depuis 40 ans, il ne fait rien pour son En pays. direct, s'il vous plaît. Nous passons à l'émission, donc vous... Allô? Adieu, Louis. Allô? Je suis à l'antenne déjà en direct même là. Allez-y, Serge. Je Oui, non. rappelle aux auditeurs que nous sommes en train de conclure l'émission. Oui, Nous bon, vous n'avons me pas concluez besoin parce de qu'il nous y a trop de coups de fil chez vous, chez toi. Et en plus, je sors du boulot, je suis vraiment cassé. Oui. Nous Et... allons bientôt terminer l'émission, donc vous pourrez m'appeler à la fin de cette émission. Allez-y, doyen. D'accord. Donc, je disais. Si Ntoumi n'était pas congolais, bon, on va le reprocher, on pourrait le reprocher de ne pas être candidat. Mais moi, personnellement, les élections là, ça ne vaut pas le coup. Mais Moi. le doyen, maintenant, la question, en quels termes envisagez-vous le dialogue? Mais quel dialogue? Dialoguer avec qui? Avec un truand, un voleur, un mercenaire? Ou, non, dialoguer avec qui? Dialoguer pourquoi? Dialoguer sur quoi? Mais sur le pays. Sur le pays. Mais le pays va mal. Vous allez Donc, dialoguer sur quoi? vous ne proposez Si le pays absolument va. rien? Moi, j'aime les gens qui sont courageux. D'accord? Si aujourd'hui, tu trouves que tu n'es pas capable. Attends, il n'a pas attendu 40 ans pour améliorer le pays.
40 ans, c'est beaucoup. Et tu sais que Dubaï, qu'on voit là, des gratte-ciel, 27 ans, 27 ans. D'accord? Ils ont quoi? Le pétrole et comment on appelle le gaz? Un peu de gaz. Mais nous, on a quoi? On a le bois, on a beaucoup de minéraux qui sont là. On a l'or. Et je donne l'info aujourd'hui dans le pool. Nous Oui. avons beaucoup, beaucoup de minéraux qui sont là, qui attendent seulement à être exploités. Hein? On n'a pas besoin d'aller, par exemple, chercher du phosphate, par exemple, au Maroc, ou encore aller chercher, comment on appelle, d'autres pierres, comme le diamant, l'uranium. On a au Congo, dans le sud. Le sud est bourré de beaucoup de minéraux. Beaucoup. Voilà pourquoi il veut exterminer le sud, Voilà. exterminer tout le monde, comme ça il pourra acquérir à ces richesses-là. Il Alors, doyen, je vais n'y a donner pas de dialogue. la parole à Monsieur Ngombe qui est en train de me la demander là. D'accord. Je crois que vous le connaissez, hein? C'est un frangin, c'est Andrea Gombe, c'est le petit frère d'Andrea Gombe. Ah ben, mais c'est ce que je le découvre aujourd'hui. Bon, je crois qu'il a dû participer à une de nos émissions ici. Attendez, je vais voir si je peux l'appeler maintenant. Christian Noah, c'est cela, hein, je crois. Oui, Christian Noah, Voilà, c'est le petit Christian. frère direct d'Andrea Gombe. Voilà, donc je vais essayer de l'appeler. Sur la question, Christian, il faut intervenir sur la question, notamment du dialogue, ce dont il vient de parler, hein, pour. Attendez, je vais voir si. Voilà, on va essayer de l'appeler rapidement. Il nous reste, doyen, moins de 10 minutes à passer ensemble. C'est pas grave, ça me fera plaisir si on a, comment on appelle, Loufo Nous, Lankandi oui, on va essayer de l'appeler. Je lui ai ou. envoyé un message. Allô, Loufo Lankandi. Il a même réagi, doyen, sur ce mur. Il dit ceci: Je suis d'accord avec Serge Bizet. Macron est au courant de toutes les magouilles de la famille Sassou, mais il ferme les yeux des souffrances du peuple Merci congolais. beaucoup. En tout cas, je dis merci beaucoup à Loufo Lankandi. Voilà, et il poursuit, ce n'est pas tout. Macron va bientôt recevoir les malles d'argent pour l'élection présidentielle en France en 2022. Voilà, donc Serge Bizet. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Il a tout à fait raison, c'est ce que j'ai dit. Moi, je trouve que s'il n'y avait pas le second mandat de, comment on appelle, Macron, parce que maintenant il a des doutes, il ne sait pas où on a déjà vu les gens gréver pendant un an. Bon, je crois que je suis sur Info Christian Noah. Hein, il devrait Non, avoir. non, non, Christian Noël, c'est le même. Je vois qu'il ne réagit pas. Je vais encore tenter pour une deuxième fois. Alors, mon cher ami Loufo Lankandi, le doyen Serge Bizet veut t'avoir en audio. Hein, il veut que tu réagisses directement en audio. Vous voulez l'entendre de vive voix, c'est cela. Hein, Oui, ça me fera vraiment plaisir. Et voilà, donc. il me manque, il faut le dire qu'il me manque. Alors, donc, je crois qu'il a entendu cet appel. Alors, Loufo Lankandi, vous pouvez donc, voilà, il t'envoie des likes, toute une pluie de likes là. Veux-tu qu'on t'appelle là, Loufo Lankandi? C'est quoi Loufo Lankandi, doyen? Est-ce que vous pouvez traduire ça pour moi? Posez-le la question. Loufoua, Lankandi. Lankandi. Donc, c'est comment on appelle la mort de comment on appelle l'Nkandi, c'est le truc, ah, comment on appelle ça là? L'huile de palme, l'Nkandi là. C'est cela? Oui. Ah. Et ça quel. Bon, je vois qu'il a des appels sur WhatsApp. Je vais voir si. Non, Noah ne m'appelait pas sur WhatsApp. My God, il est en train de. Bon, bah, écoutez, je vous prends rapidement. Ouais. Allô, allô? Oui, allez-y. Je vous appelais au Messenger. Alors, est-ce que vous avez une question à Serge Bizet? On va bientôt refermer le journal. Autre proposition. D'intervenir pour vous parler de la question sur le dialogue, c'est Non, ça? vous devez réagir à, oui, réagir à ce qu'il a dit. Vous avez suivi l'émission? Oui, j'ai suivi en direct, j'ai appelé en WhatsApp parce que c'était un moment de sûr d'appeler par le WhatsApp, Ok, voilà. réagissez donc à ces propos. Allez-y. Mais je pense qu'il a raison, dialogue avec qui au moment que tout est déjà par terre. Donc il y a deux choses, cession ou sécession. La séparation de deux peuples au Congo n'est pas une fin en soi. Il y a eu guerre de sécession aux États-Unis d'Amérique
avant la réunification, et Oui. la guerre des Boers en Afrique du Sud, entre Hollande et l'Angleterre, Nord-Soudan, Sud-Soudan, Soudan Sud, Soudan Nord. Donc, cela peut aller dans le sens de responsabilisation. Si une partie des gens qui sont des pêcheurs, qui sont juste pour la pêche, la chasse, la cueillette, ne savent pas travailler la terre, ne savent pas faire un travail propre, et qui sont là pour tuer d'autres peuples gratuitement, vous faites des autres qui soient votre bétail, mais attendez-vous un jour à une révolte ou bien quoi? Les peuples, pour la charte libre des peuples indépendants. Hein? Donc les peuples peuvent s'affirmer, une scission peut être pour 5 ans, pour 10 ans, avant encore une autre réunification. Si on ne parle pas de scission ou de sé Attendez, ne m'appelez pas, je sais pas, cet ami ne fait que m'appeler et me perturbe là. Attendez, Christian. Allô? Alors, je vous écoute. Voilà, continuez, il y a un monsieur qui ne fait que m'appeler. Je suis à Donc, l'antenne, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. oui. La séparation, par exemple, de Nord-Soudan, Sud-Soudan, c'était pour responsabiliser la partie nord de Omar el-Béchir, qui elle-même était corrompue et qui se termine par le scandale actuel. Omar el-Béchir a été arrêté. Il y a eu transition au nord et le Sud-Soudan, bien qu'avec ses problèmes, est resté l'état du Sud-Soudan. Je ne demanderai pas, je ne vais pas confirmer une scission au Congo-Brazzaville, mais le contexte est face à quelqu'un qui tue et qui prépare en soi des événements d'importation d'armes à feu. On ne sait pas, il y a toujours une idée de guerre, il y a toujours une idée de diviser pour mieux régner. Donc un jour, il faut le dire ouvertement, s'il y a guerre, préparer une prochaine guerre civile, les civils préparez-vous à résister, les simples citoyens préparez-vous à résister. Une guerre civile, ce n'est pas vous qui allez la créer. Si la guerre civile, vous avez le droit de vous défendre, vous avez le droit de chercher des partenaires intérieurs ou extérieurs, de pouvoir vous défendre. Donc la voie diplomatique, la voie du dialogue est bien, mais si la même personne avec qui on est censé dialoguer, il a des armes et il prépare à verser le sang, à tuer des gens, qu'il n'y a que de la guerre en lui, il n'y a que de tuer les gens, où il se maintient, où il fait tuer tout le monde, préparez-vous à résister en cas de guerre civile. Voilà, merci Christian. Doyen, je vous rappelle que Christian fait partie de C'est notre. le grand frère, correction. Je suis le Non, grand frère. Le grand oui, frère. non, ben, Vous êtes le c'est grand le grand frère frère de d'André l'autre Acombé. de. Voilà. Oui, Alors, c'est très oui. bien. Voilà. Donc. Non, mais d'ailleurs, j'ai On n'est toujours pas dit pour la violence. Je ne suis pas pour la violence, mais en cas de guerre civile, apprêtez-vous à résister. Voilà. Voilà, merci donc à toi, Christian. Doyen Serge Bizet, je vous rappelle qu'il est. Il a été retenu comme membre de notre rédaction cette année, Monsieur Ngombé, pour lequel j'ai eu une certaine admiration l'autre Le jour. SNPC, Voilà, oui. donc Oui. nous allons, merci Christian, nous allons donc poursuivre ce journal avec une toute dernière question, notamment la question de Monsieur Ntoumi. Voilà, le temps donc de tenter d'appeler cet ami. La question de Ntoumi, ce sera la dernière, Serge Doyen. Serge Bizet, une question tout à fait stratégique parce que c'est lui qui est le malheur même du poule, non? C'est ce qu'on dit là-bas au poule. Bonsoir Serge Bizet. Oh, voilà donc, vous voyez, Loufoalankandi est là, doyen. Il est en. Doyen, Loufoalankandi est donc là, connecté. Salut, Loufoalankandi. Salut Serge Bizet, salut Jean-Louis. Voilà donc, nous allons prendre le doyen, Loufoalankandi directement. Au Zoom pour que. Avant qu'il finisse, je voulais lui dire, je suis Oui. très heureux qu'il soit en ligne. Et je suis vraiment très heureux parce que c'est un garçon magnifique. Ah, alors, vous avez entendu donc. Le plaisir est partagé, Serge Bizet. Alors, Loufoalankandi, dit votre réaction sur la question. Vous pouvez faire une réflexion générale, poser des questions. C'est à vous. Merci. En fait, dernièrement, je suis intervenu à votre émission. Aujourd'hui, je dis ma position. Reste inchangée concernant la scission. Avant d'en arriver à la scission, j'ai toujours demandé qu'il y ait une deuxième conférence nationale souveraine. Parce que, qu'on monte, qu'on descende, le peuple congolais finira toujours par s'asseoir autour d'une table. Et là, j'insiste. Donc, voilà pourquoi je dis, si le clan Sassou et toute sa bande n'acceptent pas
la conférence nationale souveraine, eh bien, dans ce cas, qu'ils choisissent entre Sassou et la conférence nationale souveraine, ça sera la scission. Parce qu'on ne peut pas, le peuple du Poul, je dis bien le peuple du Poul, ne peut pas continuer à se faire canarder, à se faire tuer depuis les années 60. Je vais citer des noms que vous connaissez, M. Serge Bizet, M. Jean Lewis. Il y a eu les Matsokota, il y a eu les commandos Kiyindou, il y a eu les Massamba Deba, il y a eu les cardinals, tout ce monde-là. Et pourtant, nous aussi, dans l'armée et dans la police, on avait des officiers. Je me disais, qu'est-ce qu'ils faisaient pour ne pas agir? Voilà pourquoi ça fait très longtemps que ça dure. Vous savez, monsieur Jean-Louis, moi, lors de mes vacances en 98, j'ai vécu cette guerre pendant 9 mois, dans la forêt. J'ai vu des gens mourir. J'ai beaucoup de choses à dire. Et voilà pourquoi à chaque fois, je fais des vidéos. Donc, Sassou continue à tuer le peuple du Poul. Trop, c'est trop. Donc, les élections présidentielles, nous n'en voulons pas. Et je l'ai fait savoir à Parfait Kolela, qui veut se positionner pour les présidentielles de 2021. Donc, il y a un choix. Ou c'est la scission Congo Nord, Congo Sud, où ils acceptent la conférence nationale souveraine, on doit s'asseoir autour d'une table, on doit discuter, comme a dit Serge Bizet. On ne peut pas aller aux élections comme ça. Il y a des gens qui ont commis des dégâts, des actes atroces, sans se demander pardon, sans s'asseoir tout ce qui s'est passé dans notre pays. J'insiste, je ne parle pas d'une conférence internationale ou quoi que ce soit, parce que pour faire une conférence internationale, il faudra qu'il y ait 2 belligérants. Dans cette guerre provoquée par Sassou, Ndoumi, ce n'est pas un belligérant. Ndoumi a été envoyé dans le Poul pour massacrer, pour exterminer le peuple du Poul. Donc c'est à Sassou. Sassou doit normalement, comme l'a dit Serge Bizet, doit se mettre à genoux, demander pardon au peuple du Poul et aller à la conférence nationale. Voilà ce que j'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne voudrais pas vous prendre beaucoup de temps. Voilà ma réaction. J'espère que vous comprendrez. Voilà le Fol Nkandi dans son style. Vous voyez, j'ai vu mon invité applaudir le Fol Nkandi, je peux vous le confier. Alors donc, le Fol Nkandi, vous restez connecté sur Facebook pendant que nous arrêtons le Messenger. Doyen, est-ce que là, doyen, nous pouvons dire que nous sommes là devant les risques d'une scission, devant le refus peut-être voilé de Sassou de négocier sincèrement avec les autres? Christian venait de dire tout à l'heure, Loufou Nkandi venait de dire tout à l'heure, et qu'est-ce que je peux dire de plus encore? Je pense qu'on va, terminer l'émission par là, parce que Loufou Nkandi a failli me faire pleurer. Voilà. Voilà, j'ai au dernier moment un auditeur qui est en train d'insister, en train de m'appeler. Doyen, nous allons quand même l'écouter, non? Oui, d'accord. Il sera en tout cas le tout dernier, monsieur Capit Roger. C'est l'invité du journal de la communauté. Nous n'avons pas un thème spécial, mais vous allez intervenir sur la question soulevée par Noah et le Fol Nkandi, notamment les risques d'une scission devant le refus voilé du pouvoir de négocier sincèrement. C'est celle-là la question. Donc, devant les manœuvres du pouvoir, est-ce qu'on peut penser que cela va inéluctablement conduire le pays vers la dérive? Alors, monsieur. Oui, voilà. Donc, vous êtes en antenne déjà. Je vous signale que vous êtes. Bonsoir à tout le monde. Oui, je vous rappelle. Voilà, il faut. Oui, bonsoir aux auditeurs. Oui, attendez. J'en sais pas. Attendez, oui, s'il vous plaît, attendez. Je m'en présente. Attendez. Allô? Le ministre de la Jeunesse. Allô? Allô? De la diaspora. Je crois qu'il ne m'entend pas. Hein? Est-ce qu'il m'entend? De M. Makome. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, là, je vous entends. Bon, attendez que je vous pose la question, que je reprécise la question et vous allez vous présenter et réagir. Alors, voilà, nous sommes sur le point, vous êtes le dernier à intervenir sur cette antenne, car nous sommes restés plus de 2 heures déjà. Alors, il se pose une question. Nous avons au niveau, les invités ici au journal de la communauté constatent qu'il y a, de la part du gouvernement, des signes
les gouvernants ne montrent aucun signe de négocier sincèrement avec les autres. Est-ce que cela peut inéluctablement nous conduire vers les risques d'une scission du pays? Oui, merci, M. John. Je vous paye, je dis John en anglais. Hein. Appelez-moi comme vous voulez. Oui, je suis à Château. En France, précisément à Orléans, je vais mettre ça. D'abord, je demande que M. Nito, les indignés, soient courageux, même s'il soit courageux. Merci, chef. Donc, je voulais dire ce que vous voulez me le dire. Oui, M. Sassou Nguesso, vu ce qu'il est coupable, il a terrassé le Congo. Il est coupable. Ce que ils ont tué, pourquoi Massema est mort? Pourquoi Massema est mort? Roger Massema est mort. C'est à cause de ça. Certes, Djoumangalé est là, Djoumangalé est en prison. Donc, Sassou Nguesso ne veut plus qu'il y ait une conférence nationale, car tout va se dévaler. Tout va se dévaler. John Lewis. Je vous écoute, allez-y. Je vous respecte. Regardez comment ils ont fait à l'Ekounzouma. Un maladif devant. Il rigolait quand il est parti. Le cousin a dit que le corps devait être là. Il devait inhiber le corps de sa femme ici. Donc, Sassou, bon, je ne peux pas dire, hein, c'est lui qui a des commandes, mais M. Sassou Nguesso, impossibilité. Jean dit, il est impossible. M. Sassou ne peut pas accepter une conférence. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Il vous reste 45 secondes. M. Sassou Nguesso ne peut pas accepter une conférence, car ça serait comme si c'était vous le jugez. Et il s'explique qu'il ne veut pas. C'est au Congolais de se mettre debout. On peut mourir comme ça. M. Sassou Nguesso ne quittera pas le pouvoir. D'abord, à ceux qui l'ont traîné à la conférence nationale, tous sont morts. Il reste que Bokama Yanguba qui est maladif. Lekunzu n'a pas trahi. Ngolo qui connaissait la mort de Ngwabi, mort. Impossibilité, M. Lewis. Voilà, vous êtes donc... C'est au peuple congolais. Oui. Comme je suis la jeunesse. C'est ce que j'en demande. Pourquoi au pays ouest-africain, et pourtant on était de courageux, nous autres là, on disait Moutouan Pangala, on disait que les témoins qui bêtent, non. Moi, nous dit, et pourquoi on n'arrive pas? Il faut se mettre debout. Si pour la conférence nationale, d'abord on va vous donner, même moi, il peut me corrompre quand il y a la conférence nationale. Ce n'est pas la conférence nationale, ce sera une conférence de la tricherie. On ne va pas se dire des bonnes choses. N'attendez pas une conférence. Là, c'est international, oui. International, oui. Et qu'il y ait des Anglais, des Américains, que des Français. Oui. Ça, je peux. Oui, mais ce n'est pas avec les Français qu'on peut faire un petit langue avec son fou de sou. Alors, manipulé, même dans ta chambre, même chez toi-même, monsieur, il faut être vigilant. Ta femme aussi peut être trahie. Ok. Alors, Roger. Excuse-moi. Ça fou, c'est manipulateur. Il rentre partout. Ça, ah, vraiment, sur ça, je le félicite. Même si les gens de critique, il était idiot à l'école, mais il est intelligent.
Vraiment, pour le dialogue, moi, je n'en vois pas. Dialogue, faire notre dialogue au Congo-Brazzaville, non, c'est donner seulement de l'argent. Même si le Doukna, c'est là avec votre caméra, je vais être utilisé déjà. Ok, merci beaucoup. Merci Roger. Roger, nous allons refermer. Je pense que le mot à M. Sassou Nguesso, qu'il soit sincère, tout le monde n'en veut plus. Tout le monde n'en veut plus de lui. Il est sûrement. On est une sorte dans une petite fenêtre. Une sorte dans une grande porte avec l'honneur. Voilà, Roger, nous allons arrêter. Merci donc, Roger, vous aurez le vraiment temps. Merci, chef. Je vous remercie, chef, de m'avoir... excusez-moi, je vous ai pris du temps. Excusez-moi. C'est votre droit le plus absolu à l'émission que d'intervenir. Il n'y a pas de problème. Vous pourrez revenir la semaine prochaine pour d'autres interventions. Voilà, nous merci. Avons toujours cinq moi, minutes. Moi, on ne veut pas la guerre. Voilà. Moi, j'étais où? Nous allons... J'ai fait 2 ans dans Oshé-Tchendoumi. J'ai fait 2 ans chez Ngoumi. J'en veux pas que les gens puissent y être là. Alors nous allons libérer l'invité. Merci donc, Roger, pour cette intervention. Nous allons donc libérer le doyen Serge Doyen. Avant de clôturer ce journal, je voulais d'abord répondre à un auditeur qui m'a attaqué sur YouTube et qui me dit que je ne propose que des invités du Sud et que je dois prendre des invités dans toutes les régions. Ça m'a paru des critiques pas fondées. Je lui ai demandé donc de revoir mon YouTube et mon Facebook pour regarder les visages qui s'y trouvent. Donc, j'ai déjà eu l'occasion. Lui, il est du Nord, c'est ça? Bon, celui qui m'a attaqué? Oui. Bon, je ne sais pas. Il a regardé. Lui, s'il a envie que vous ayez fait cette interview. Il est libre de le faire puisque les interviews sont gratuites ici. Vous voyez, ce que je vous ai demandé pas, de l'argent pour c'est ça. Pas question de sud de nord. C'est bizarre quand même, ça part. Parce que c'est voilà, de la communauté congolaise. Oui, ça m'a beaucoup gêné de voir qu'un auditeur me dise ça alors que j'ai interviewé beaucoup de gens du nord sur cette antenne, même des gens du PCT. Et chaque fois que je les prends, ceux du PCT, c'est plutôt des attaques que je reçois de l'opposition. Alors, doyen, nous allons... C'est normal, parce que voilà. Moi, j'ai aussi un regret. J'ai un regret que, bon, un jour, je vais peut-être m'excuser auprès de la personne. Voilà. Ça va, ça arrive, ça, des fois, d'être en colère parce qu'on voit une photo, on voit autre chose. Mais voilà. Il faut s'informer, il n'y a pas de problème. Après, voilà. Je vous remercie beaucoup, Roger, le fois l'incarné Christian. Oui. Et puis, doyen, ça va toi au cœur. Oui. Je voulais dire, en tout cas... Merci. Vous allez, doyen, conclure sur la diaspora. Faites une conclusion générale. Oui, pour la diaspora, ce que je demande à la diaspora, c'est qu'on soit tous unis. Mais c'est la diaspora de Paris, il y a trop de pagailles, il y a trop de... C'est quand même bizarre. Parce qu'ils sont peut-être trop focalisés sur moi, je suis. Moi, j'ai un groupe. Moi, je suis le meilleur. Moi, je suis... Non. Ici, dans le UK, nous, on ne marche pas comme ça. Tu comprends? Marie-Louise Abia, je la parle tous les jours. Elle sait que je dois faire l'émission aujourd'hui, mais malheureusement, elle travaille. Et comment on appelle et là, elle est au Maroc. Il arrive tout de suite, là, quoi qu'il ait de l'avion. Tom Elvin. Puis voilà. Comment on appelle Saigon, il est au travail. Et les autres sont là. Mais les gens suivent, peut-être. Ou peut-être ils attendent la rediffusion, ils vont suivre. Nous, on est ici organisés. Mais c'est quand même que vous, la diaspora en France n'est pas organisée. Et celle des États-Unis est un peu comme ça. Parce que j'ai tenté cette... Là, je vois Joe Curtis qui est en train de s'activer. C'est bien. Comment on appelle Bernard Pongue tout seul au Canada. C'est ça ce qui est malheureux. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Ah oui, en fait, le Castor qui est déjà là, commandant Castor, il est déjà au Canada. Ils doivent se réunir. Moi, la diaspora de France me fait beaucoup mal. Parce que la France, c'est là où tout le genre, comme on appelle notre
les personnes qui viennent du Congo arrivent souvent à Paris. Donc, c'est là où le désespoir devait être quand même assez forte. Mais elle est tellement désunie et ils s'entendent pas parce que moi, je suis de tel coin, parce que moi, je suis de tel coin, moi, je suis comme ça, moi, je suis non, comme ça. Et plus, on envoie les gens, des tueurs, des bandits, des méchants, et sur Paris. Mais si la diaspora, elle est forte à Paris, ça va aider tout le monde. Notre issue, elle est très efficace. On ne parle pas beaucoup, mais on agit. Global Witness, nous, on avait fait la pression qu'on a, on publie ça. D'accord? Boris Johnson, vous avez vu, même pas un bonjour, rien. Il a complètement humilié comment on appelle le président. Il attendait seulement pour avancer, pour donner la main. Et Boris Johnson fait comme ça, et lui, tu comprends, il met sa main dans la poche. Il a été humilié. Pourquoi? Parce que il a manqué du respect à la reine. Alors que lui, c'est un pauvre petit voyou. Il n'a rien par rapport à la reine. Ça se hein? Bon, il a été humilié une fois. Mais ce n'est pas la fin, hein? Ce n'est pas fini. Hein? Il y aura encore d'autres occasions. Parce que mourir de faim, son peuple, les gens qui ont 40 ans d'existence aujourd'hui, qui ont 40 ans, qui ont connu que Sassou Nguesso, ils ont eu des enfants. Ces enfants-là ne vont pas à l'école. Toutes ces personnes qui ont connu Sassou Nguesso vont aller à la retraite. Non payées à la retraite. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais travaillé dans la fonction publique ou dans le privé. Ils vont aller à la retraite, c'est-à-dire abandonner à eux-mêmes. Sassou a fait des chômeurs en plus. Et c'est dommage. Sassou privilège. Tu prends par exemple l'éducation. Quand on parle d'éducation au Congo, Sassou aujourd'hui, l'État congolais, ce n'est pas Sassou. L'État congolais finance. Hein? Une partie comment on appelle, des écoles en Chine. Ça, tu es au courant, je pense. Oui, j'ai appris cette rumeur. Ah oui, c'est le. Ah, attends. Quand tu vous apprenez, quand les Français arrivent en Afrique, pour conclure, hein, quand les Français arrivent en Afrique, c'est pour vous apprendre quoi? Le français, non? Quand les Allemands font leur alliance, c'est pour apprendre l'allemand. Mais comment se fait-il que le Congolais subventionne une école en Chine et on apprend le français? Mais pourquoi ne pas prendre le Kuyu ou le, comment on appelle, le Mboshi ou le Lari? Hein? Il faut valoriser sa propre langue, au moins pour dire que nous avons subventionné cette école, nous vous apportons, nous vous devez apprendre le Lingala, non, c'est le français. Mais c'est ridicule, tout ça c'est payé par l'État congolais. C'est officiel, ça? Mais je vais t'envoyer les documents, ok? Je vais t'envoyer les documents et C'est scandaleux, hein? je vais t'envoyer la somme que l'État congolais paye à cette école-là. Je vais t'envoyer tout, si tu veux. En Chine. OK? Et ils apprennent, et ces enfants, ces étudiants-là apprennent quoi? Le français. Mais nous, notre culture, c'est quoi? Pourquoi ne pas prendre le Lingala à ces enfants-là? Ou alors, apprenez le Lumbushi, c'est pas le Lari, le Bungutuba, c'est pas le Vili. Comment vous allez subventionner une école? Chez vous, vous êtes incapable de donner les bancs dans les écoles. Impossible. Alors que vous avez le bois qui est là sur place. Vous ne pouvez même pas subventionner une école. Non. Chez lui, c'est non. Moi, dans mon fief, c'est pour cela qu'il y a la République de Yo. Et ils ont l'école. Des écoles. Ils ont des hôpitaux. Ils ont tout. Même l'hôtel Marina. L'hôtel Marina fait 5 étoiles, non? Tu es au courant, non? Oui. L'hôtel Marina, 5 étoiles. Une capacité de comment on appelle, 3 000 personnes. Tu te rends compte? Et Brazzaville, Point Noir, rien. Même pas d'université, rien. Il faut quitter Point Noir pour aller jusqu'à Brazzaville pour étudier. Hein? Il n'y a même pas d'hôpitaux, il n'y a même pas d'université, il n'y a rien. Alors que c'est une ville nourricière, c'est elle qui vous nourrit. Et vous allez subventionner, donner de l'argent chaque mois en Chine. Et ces Chinois-là, et comment on appelle, ils apprennent quoi? Le français. Mais attends, il est malade, ce type-là. Il est malade. Et pourquoi ne pas apprendre, puisque vous avez subventionné ces écoles-là, ne pas apprendre le Lingala? Peut-être que l'embauché était difficile à écrire, c'est pour cela, peut-être. J'en sais rien. Voilà, c'est tout. Désolé, mais bon, il y On a a fait le moment où on a un coup de gueule. le tour Donc, je de voulais la dire, révélation, mais on va revenir. l'unité de la diaspora. Ne vous séparez pas. Soyez tous unis. Nous travaillons, c'est vrai, chacun son côté.
Et je m'engage maintenant à soutenir les indignés 242, comme je me suis engagé à soutenir d'autres combattants sur la place de Paris. Et je le ferai autant de même. Et je veux à tout prix qu'on travaille en collaboration, on peut en donner des infos, parce qu'on a aussi des infos ici, que ce soit Marie-Louise Abia, plein d'infos, que ce soit Tom Melville, plein d'infos, que ce soit moi ou que ce soit Saigon. Donc, moi, j'aimerais qu'on puisse travailler en collaboration. On vous donne les infos, on vous donne ceci et on travaille. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai vécu dans ce milieu-là. J'étais fonctionnaire dans ce milieu. Donc, je connais beaucoup de monde. Il y a encore mes amis qui sont en activité, qui sont des généraux. Des généraux, il y en a, je connais. Voilà. Ma promotion, moi, il y a des généraux. En tout cas, merci beaucoup, John Lewis. Ça a été un plaisir de qu'on refasse l'émission. Je sais que tu es fatigué. Là, il faut que tu manges. Non.